ça saccade, on passe. Hein. Je suis désolé, la musique, là... Il y a des fois comme ça, tu vois, genre je nettoie l'ordinateur, mais ça veut pas quand même fonctionner bien. C'est sans doute l'ordi qui est surchargé, again. Ah, attendez, je cherche la souris, mais je crois que c'est le jeu qui l'attrape. Ouais, c'est ça. J'appuie sur Alt, hein. Jeu de l'enfer. Ok, je pense que le son ça a l'air pas mal, mais bon, vous me direz. Hein. Tac, 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 le chat, ok. Et je vais dire, chape. Chape, pour le chapitre. Hein. Ça me permet de chapitrer. Ok. Je peux le faire à la main, mais vous savez que j'ai la flemme. Si je le fais à l'oral, ça serait bien, en plus. Bah oui, on est à 12h, normalement c'est censé durer 15h, s'il vous plaît. On a fini ou pas? Je sais plus ce qu'on faisait, on avait des trucs à faire. En fait, on avait des trucs à faire qui avaient aucun sens avec le jeu, mais voilà, on avance. J'imagine que c'est pas là. Ah, y'a plus de musique, c'est fini. J'avais oublié ce petit passage. Je me déplace un peu parce que j'ai l'impression de pas être du tout centré. En fait, je suis pas du tout centré parce que à cause de la caméra, je devrais faire l'inverse. Voilà, comme ça. Sauf que je vois pas le retour, donc c'est un peu problématique. Attendez, hein, je me corrige dans mes trucs. Si, ça c'est bon, la taille c'est bien. C'est juste ça. Ah, c'est bien. J'ai l'impression. Si je me pose, c'est bien. Oui, ok. Alors, vas-y, la musique, là, elle est morte? Bon, la musique est dead. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, l'histoire des homards. Et là, du coup, on doit rentrer. C'est ça, c'est ça, cette histoire. C'est notre dernière chance, rentrons au manoir de la fusée pour affronter Lee. C'est là, le manoir de la fusée? Je sais plus. Je crois que c'est pas par là. Hein. Oh, ça m'énerve déjà. Bon, je veux pas en faire 15 millions de tours pour rien. Mais il y a des trucs où je suis pas passé. Genre en bas et en haut là. J'ai fait tout ça, sauf ça et ça. Oh non, on va pas se taper tout ça. Juste pour le délire. Est-ce qu'on dit ouais mais on l'a fait en fait. Ok, on va se dire qu'on l'a fait. Donc fallait descendre, j'imagine. J'avais oublié ces gens. Bonjour, toujours à la poêle, on n'a pas besoin d'une autre arme parce que de toute façon la poêle est déjà bien. Par contre, s'il te plaît, merci. Toujours pas de sel, la vraie vie. Ah oui, excuse-moi. Tu es un mimique, excuse-moi. Active d'enchaînement pour voir si on peut avoir du sel plus que autre chose. Mais on attend trop en fait au combat. Bon, allez, ça me fait ça. Parce qu'en vrai, on peut traverser, il n'y a pas besoin de se focaliser sur autre chose. C'est juste qu'on trouve jamais de sel. Ah oui, c'est vrai que c'est pas vraiment ça. Par contre. Voilà. C'est bon? Regardez-moi, ça c'est un méchant. Merci. C'est ça en fait qui m'avait fatigué, c'est... En fait, il n'y a pas de challenge. Après c'est bien hein, qu'il n'y ait pas de challenge, mais quand même. Non, en fait le problème c'est qu'on est perdu dans une quête qui est... Qui est pas sympa en fait.
Elle me fatigue déjà. Allez, hop, c'est parti. Motivation. Je crois que c'est pareil. Oui. Donc on va au manoir. Je sais plus pourquoi. Ah si, on devait aller chercher des homards ou je sais pas quoi. C'était très important, bien sûr. On doit faire de la bouffe. Sauf que bon, ça a pas trop de sens d'aller se balader autant pour aller chercher de la bouffe, mais d'accord. On a fait comme si on avait, compris. Et on fait des runs 1 PV, bien entendu. C'est par là, on est d'accord. Ah ouais, c'est loin. Je vais prendre le... tram. Ah ouais, non, mais ils sont pas sympas. Ils sont pas sympas parce que quand ils se transforment, ils sont pas sympas, mais en vrai, si on mâche, c'est bon. Dommage hein, parce que le jeu est beau, tout est beau, mais la difficulté elle est pas elle est stable, ce qui est des fois dommage. En même temps ça rend le jeu agréable à jouer, c'est à dire que c'est on se bat pas contre soi-même. C'est par ici non c'est pas du tout par ici en fait, je sais pas pourquoi je vais là. Le métro. On va essayer d'éviter tout le monde, voir si ça fonctionne. Ouais, la vraie vie. De toute façon, il ne donne rien, donc on va... Qu'importe. Après, faire la boucle de la musique, c'est pareil. La boucle de la musique, c'est bien, hein, mais... elle peut être agréable et tout, mais... quand c'est constant... C'est la seule musique, j'ai l'impression, du jeu. Ah non, j'ai menti. J'ai rien dit. C'est la musique mélancolique, là. On va prendre le trône. Parce que bon... J'ai fait les sources d'eau chaude, mais je sais pas si c'est ça. Bon, apparemment on y va, les sources d'eau chaude. Je sais pas où c'est. Ah mais j'ai pas mon bruit SNCF, attendez. Le bruit SNCF. Ok. Le jeu il s'est arrêté là? Genre vraiment? Je pensais qu'il s'arrêtait plus, mais non. Ça de nettoyer après il est tout perdu le jeu. Je vais mettre ça à côté. Bim. On peut jouer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu il veut pas? Ah donc je passe à côté de Barrageville et je vais direct aux sources d'eau chaude. Mais j'y suis allé une fois aux sources d'eau chaude. Ou c'est... je m'invente une ville. Hein. Je vais regarder la map. Bah non, j'y suis jamais allé. Pourquoi c'est débloqué ce truc-là? Ah, il y a les fantômes. Vous revoilà. Une grande famille vivait ici autrefois, dont une petite fille. Un jour, toute la famille a soudainement disparu, sauf elle. Maman, maman, s'est-elle mise à crier en courant de pièce en pièce. Mais il n'y avait plus personne. Personne sauf un chat noir qui baillait nonchalamment au milieu de l'entrée. Elle voulait quitter la maison pour aller en ville, mais les paroles de son père la retenaient. Quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais partir. Tu dois rester et protéger le cellier, car il abrite une chose très importante. Alors elle a attendu. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, des visiteurs arrivent enfin. Et découvrent cette fille, petite fille, allongée devant le cellier. Son corps froid comme la glace. Et un chat noir, bâillant en silence, au milieu de l'entrée. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans le cellier? Eh bien sa famille, bien sûr. Ha ha ha. Sympa.
Du coup, on peut récupérer. On peut prendre le râteau ou c'est juste. Il se passe quoi dans les autres. Ici. Vous voulez du lait, fiston? 10 les deux verbes. Donne-moi le lait. Ah, ça remplit la vie, ok. Bah attends, on va se séparer, non? Je sais plus comment on sépare. Il y a une touche pour séparer les gens. Hein. Bon. On peut pas rentrer. Allez pas croire que j'ai pas repéré votre manège, fiston. Ça, c'est le vestiaire des dames. Ok, bah de toute façon, on peut pas rentrer, donc on se casse. Je sais pas pourquoi on est venu ici. Pourquoi c'est débloqué maintenant? Bah on va barrage vide. Bon, bah on va aller au manoir, hein. J'imagine que c'est par ici. Il y avait l'histoire de... Ouais, on avait fait plein de trucs pour rien, là, avec l'histoire du cirque et tout. Oh. C'est là? Ah non, faut juste que j'aille voir la princesse, ok. En fait, c'est juste je rentre chez Wam. C'est ça l'histoire. En fait, le jeu est fini. On a fait à manger, ça y est, c'est fini. On a récupéré le poisson. Vous ne trouvez pas que c'est un peu banal? Et tout ça, hein, je rappelle, hein, on a fait un poisson qu'on a galéré à être allé chercher. Avant, on est allé chercher des homards ou des crabes, je sais plus, où on a galéré pour aller les chercher pour récupérer la thune qu'on a gagnée au casino qu'on s'est fait séquestrer. Je sais pas. Hein. Pourquoi? En passant par le cirque aussi qu'on a dû gérer. Ouais. J'ai rien compris. Pour l'instant, je comprends pas pour ce qui se passe. Hein. Je reconnais ma défaite, enfin. Ah bonjour le raid. Bonjour Raving Bell. J'espère que ton stream de Kena s'est bien passé. Est-ce que tu as réussi enfin à voir qui t'avait host? Bonjour. Alors ici on joue à Eastward, mais ça devient très très chiant, pour être gentil. Donc j'essaye de faire quand même un peu de fin, quoi, parce que c'est un peu nécessaire. Et oui, du coup, si vous ne connaissez pas Raving Bell, je vous envoie voir... Ah, mais tu as déjà eu... ça a déjà été cité. J'ai pas corrigé, c'est des problèmes de commande. Bonjour, du coup, Rancalo. Et bonjour, Gigilou. On arrive sur de la gagne. Oui, bah là, on a gagné. Alors j'étais en train d'expliquer justement qu'on a eu une galère la semaine dernière, parce qu'en fait le truc c'est que on est censé avoir gagné masse de thunes au casino grâce à notre pièce magique, sauf qu'on s'est fait séquestrer notre thune, donc on a dû aller voir Oshema pour acheter des homards qui en avait pas, on a dû aller voir le cirque pour régler les problèmes du cirque qui nous a pas aidé, plus le fait qu'on ait maintenant, récupérer, on a dû faire un boss rush pour récupérer un poisson qui était dans la bouche d'une anguille. Et voilà, en idée, c'est compliqué parce que
En fait, on a fait 15 millions d'allers-retours pour pas grand-chose. Si vous ne connaissez pas ici, en général, on fait comme chronologie des femmes artistes le jeudi. Et ici, on fait les crash tests de tout ce qu'on peut faire fonctionner pour chronologie ou pour avoir un live plutôt agréable. Voilà. Donc là, je teste, par exemple, des commandes. Si vous voulez vous amuser. Les commandes vidéo, je les entendrai pas. J'arrive pas à régler le problème encore. Mais voilà. Et le chip stream, c'est principalement on casse le stream. Donc là, je teste un nouveau bot, again. Voilà le combo. Ah, t'as toujours pas réglé ton problème de mix setup du coup. Ok. Et bah bon croissant, GG en tout cas. Voilà, donc là, on lui a servi un poisson que si jamais tu le manges, tu manges que ce poisson. Donc il va devoir tuer je sais pas combien de anguilles géantes. Mais ça a l'air d'être mal parti quoi. Et ce poisson, c'est un vivano de la vallée d'Ambre. Un vivano de la vallée d'Ambre. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Si vous connaissez pas le jeu de histoire, bon. En fait, on habitait dans une sorte de déchet, pas une déchetterie, mais une sorte d'endroit où il y a un stock en fait à l'ancienne dans une cave de métro, dans un quai de métro, et on sort parce qu'on n'a jamais vu la lumière et que la petite voit son double, Sam, hein, voit son double et on ne sait pas pourquoi. Et son double est méchant par moment, elle nous envoie des boss. Et nous, on joue les deux personnages. Il y en a un qui est un papa. Il est défini comme ça. Et il parle pas. Et il utilise une poêle et fait la bouffe. Voilà. C'était bien Kenna du coup, quoi. Tu pourrais conquérir cette ville en un claquement de doigts. Si on est consciente, donne-moi la thune en fait. C'est ce qu'on est, on a galéré pendant 2 heures la dernière fois. S'il te plaît, donne-moi la thune. Donc on a gagné au casino, mais il veut rien donner. C'est le chef du casino. On a baigné dans la thune et on a plus de thune. On galère à avoir du sel en plus. Alors que c'est ça la monnaie, à moins que... Tu souhaites prendre ma place, régner sur tout le monde. Non, ça va, tranquille. C'était chouette. J'ai encore bien salé, c'est bien, tant mieux. Il faut saler un peu la Guérande. Il paraît qu'il manque du sel en Guérande. Tout ce que tu voudras, chère petite. Tu n'as qu'à demander et tu seras exécuté. Donne-moi ma thune que j'ai gagnée. Please. If you are gentil. Kind. J'aimerais que vous veniez dîner avec nous tous les soirs. Et John pourrait préparer toutes sortes de plats incroyables. Non, mais si on fait des boss rush uniquement pour ça, exaucer, pas exécuter. Ah. Si tu veux bien du sel, demande à Réumbel. Je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement cette ville que tu pourrais conquérir. Tu pourrais conquérir un monde aussi. Pourquoi? Je ne sais. Mais apparemment, c'est ça. C'est The Real Deal. Bonjour Réumbel. Alors qu'est-ce qui a été ban? Par contre, ça c'est la grande question. Petit topo pour ceux qui celles et ceux qui débarquent. Ici, c'est le monde des robots. Les robots sont méchants, surtout avec les VIP et les modos. Donc voilà, c'est exactement pour ça qu'on a le chip stream, c'est pour pouvoir tester les. Tous les problèmes et Raving Bell je n'ai pas ban, j'ai unban, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux unban, bonjour, et je n'ai pas écrit bien. Oh, c'est le diamant inversé du coup. Oui, comment dire, non, en fait, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'en fait, j'augmente le game de l'automode. Alors je sais pas ce qui a bloqué. Je regarde vite fait. Dans le milieu, on m'appelle Raving Cell. Et tu as été banni pour le Kappa, bien entendu.
Le capin. Et oui, parce que l'ironie est pas transmissible à l'écrit, n'oubliez pas. C'est pas parce que vous mettez un cap, vous mettez un capa que c'est le cas. Ah, au fait, c'est quoi ça? Oh, ça, Lily l'a laissé à l'intention de Jonjon. Il a dit que c'était une récompense, vous voyez, pour votre victoire. Ah, donc j'ai une poêle carrée maintenant. Ce stream est piloté par un professionnel. Alors, pas vraiment. C'est surtout que j'essaye d'augmenter au max la modération pour que je comprenne un peu tout. Parce que c'est un outil qui est nécessaire, la modération, quand on est en phase d'attaque. Pareil que certains des meilleurs cuisiniers du monde préfèrent ce genre de poêle, en effet. Ah bon, les poêles carrées? Pour faire les omelettes, peut-être que ça peut être intéressant. Ouais, et l'histoire du capa, c'est surtout que c'est utilisé par beaucoup de monde, mais c'est comme le PP, hein. Il y aurait eu le PP, j'aurais ban, en fait. Pareil. C'est trop facile, en fait, de donner des idées, entre guillemets, qui sont pas les vôtres, peut-être, mais à l'écrit. Et si vous ne connaissez pas la culture de Twitch, vous ne comprenez pas en fait ce que veut dire le capa. Donc voilà. Un peu pour éviter que tout le monde. Qu'on dise des bêtises, quoi. Ils ont l'œil. C'est la poêle que Lee a offerte à John. Bah oui, mais on va regarder cette poêle pendant combien de temps? Il a trouvé le Order dans Borderline. J'adore ce robot. C'est le nouveau robot, il me fait gueulerie. Merci. Ouais, Roncalo, en fait, il a trouvé le Order, qui est la commande pour le son. Ouais, il y en a qui abusent pour dire des trucs volontairement Borderline, c'est vrai. Et en fait, c'est utiliser des prismes culturels, c'est souvent le cas, hein, pour pouvoir placer des trucs un peu plus étrangement à droite que à gauche. J'objectionne fortement. Ah, est-ce qu'il va le trouver? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il y a le time aussi. Hein. Non mais là, Raving Bell, là, si, maintenant que tu sais qu'on peut les appeler... J'ai pas corrigé en plus le truc, donc si tu sais, tu vas faire comme je dis, quoi. Commencer à tester. Le laboratoire d'Alva a gagné. Je ne sais pas si je dirais que c'est une grande victoire. Donc là, en fait, le truc, c'est que le robot que j'utilise, c'est StreamerBot. Et en fait, il permet de... Voilà. Qu'il a marché. Il y a certaines commandes où en fait il peut le chercher dans toute la phrase et il va le sortir quand même. Et je voulais faire ça pour que. Et ça a marché pour Raving Bell du coup. Pour que s'il y a il y a quelqu'un qui arrive qui vient de raid ou. Ouais, c'était un honk. Il n'y a pas poète par contre. S'il y a un raid ou s'il y a quelqu'un qui débarque dans le chat, il peut y avoir du coup tout le. Directement le SO. Comme ça, j'ai plus besoin de le faire. Et du coup, il y a beaucoup de noms que je fais en SO, parce qu'il y a beaucoup de gens que je veux que d'autres personnes découvrent. Et surtout, par exemple, là... Ah, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Mais... c'est du gros stream aujourd'hui. Et Dame... Ah, Dame, ça marche pas, par contre. Les onomatopées marchent uniquement avec Streamlabs pour l'instant. Stream Element. Donc ouais, il y a... Là, aujourd'hui, par exemple, il y a Streamlabs, Wisebot, Mixitup, plus Streamerbot, plus... plus... comment ça s'appelle Stream Element. Donc là, il y a 6 robots, je crois, aujourd'hui. Donc on fait les tests de tout. Et la police tue. Merci Roncalo de rappeler. Regardez un peu ça. Qu'est-ce que c'est? Un billet pour un bon moment de détente. Enfin. Donc c'était débloqué avant le truc. C'est bien ce que je me disais, les sources d'eau chaude, on y est allé. Ok, on va aller aux sources d'eau chaude. Bah voilà, on va se retrouver à l'extérieur de la ville. Ça va pas du tout mal finir ça. Non, pas du tout. Tout va bien se passer.
à cap d'un instant. Non, mais oui, tu as le droit de tester LPT. Est-ce que vous avez essayé le zoom ou pas? Le zoom, il est rigolo parce que ça me met dans un cringe. Je crois qu'il est, je crois que vous pouvez l'utiliser, il me semble. Ça marchait? Ça marchait. Je l'ai vu bouger dans OBS. Ah oui, le trésor 12. Bah ouais, mais le trésor 12, tu sais, c'est pas tous les jours. C'est uniquement un trésor 12. Ah, le sap. Ah. Là, je l'ai pas entendu, le sap. Normalement, je l'entends. Space. Ah, et c'était Space. Space, il est bien. Alors, les trucs de vidéo, c'est que j'en entends pas encore. Faut que je règle ça. Alors, là, how are you, gentlemen? All your base are belong to us. You are on the way to destruction. Bah oui, il faut quand même rappeler les bases de... les bases des mêmes, quand même, en moment. Le premier des mêmes doit être là. Sap, ouais, il est bien. Je trouve qu'il est bien. Mais le problème, c'est que je l'entends pas. Là, je l'entends pas, je sais pas pourquoi. Attends, je vais regarder. Je crois que c'est parce que j'ai pas mis le... sur VoiceMeter. Mais si, normalement, je devrais l'entendre. Vous l'entendez, le sap, ou pas? Personne ne l'entend? Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, vous avez entendu les vidéos, mais vous avez pas entendu sap. Étrange. Alors, attendez, je vais aller chercher. On va régler ce problème-là. Et le nom, en général, c'est pour chronologie des femmes artistes, parce qu'il y a des... il y a des abus envers les femmes dans les fiches Wikipédia. Alors j'ai cliqué sur StreamerBot, excuse-moi, tu t'ouvres ou tu m'as traumatisé là? Il s'est éteint. Il a dit je veux pas. Qu'est-ce qu'il me... Pourquoi il dit que je suis déconnecté? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Vous me voyez toujours? Je suis connecté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mixitop il a dit je suis déconnecté? Si tu veux, je te l'envoie, la Wingbell, je l'ai déjà exporté, le All Your Base. Attends, je comprends pas. En fait, je suis... Ah, ça y est. Et en fait, j'ai une déconnexion. Trop bizarre. Donc, je vais vérifier juste StreamerBot, parce que je crois qu'il s'est barré. Et ça, je comprends pas. En fait, il a du mal à rester fixe son PC. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vraiment, il s'est barré. C'est-à-dire que faut que je le réinstalle. Attendez. Je vais le taper. Donc là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Du tout. Il n'y a aucun truc. Et je crois que ça, c'est à cause de mes nettoyages, en fait. Ça le casse. Oh là là, quel enfer. En fait, il arrache le point exe. Je ne comprends. Je pense que c'est soit c'est mon. C'est mon. Comment ça s'appelle? Mon PC qui fait du nettoyage pendant que je fais un truc, mais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah, je vais faire comme à l'inverse si tu préfères. Pourquoi il ne veut pas déplacer le truc? Le exe qui se bat. Très sympa. Toujours apprécié ce genre de petits détails. Je crois qu'il le reconnaît pas bien. Windows. Hein. Vas-y. Ça veut pas. Mais quoi? L'autorisation, c'est pas moi qui l'ai? De quoi qu'il me parle? Je fais l'inverse, j'en ai marre. En plus, il le fait en plein milieu du live, genre dans la normalité. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le truc est connecté et tout. Ouais, non, mais ça marche plus, là. Ça marche plus. Tant qu'il n'est pas relancé, ça marchera pas. Il n'y a aucune commande là, qui fonctionne. Bon, allez. J'ai acheté un billet, veuillez patienter sur le quai. Ok, bah, je vais acheter un... Je vais patienter, là. Normalement, c'est censé... Ah bah.
Ah d'accord, c'est une fois sur deux, des fois ça marche pas ça, hein. Je tiens à préciser. Tu es tristesse, je comprends. Surtout pour petit cancan. Ça c'est moi qui le fais, mais pas avec les commandes. Il s'est lancé là où il m'a inventé ma vie. Non, c'est bon, il s'est lancé. Hein. Et là il est connect to Twitch, c'est bon. Save settings, ok. Donc là normalement ça, ça devrait fonctionner. Surtout petit cancan, quoi. Il mérite. Ouais. Je sais pas compris ce qui s'est passé, mais on va dire que ça marche. Alors ça vibre sur mes genoux, je comprends pas cette manette. Alors est-ce que ça fonctionne maintenant? T'acheter, ça se froisse avec noblesse, ça se tremble avec élégance. Bon. Qui était donc du coup, ça vient de la sapologie de Lina. Il y a tout qui lag maintenant. Oh. Bah F5, hein, j'ai envie de dire. Hein. F5. Pourtant, j'ai rien perdu. Sauf le son. J'ai rien perdu, moi. Trop bizarre. Je n'ai rien perdu. Je vais faire F5, moi, de mon côté, pour voir si ça s'est remis. Et j'ai rien perdu de frame. Donc, c'est vraiment mon ordinateur qui décide de décéder. En live, en direct. Bienvenue dans le décès. C'est l'heure de marcher. J'ai l'impression. F5 a peut-être fait son office. Ouais, moi je l'ai fait. Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous êtes toujours là? Êtes-vous toujours vivant? Alors, bonjour. Rebonjour mes amis. Donc là, ça marche plus, c'est ça? Ah si, ça y est, c'est relancé. Ok. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Oh! Il me redemande de me connecter pour vérifier mon truc. C'est pour ça qu'en fait, ça a ramé. C'est parce qu'il a lancé, il a ouvert le... Non, mais là, c'est bon. Je suis connecté. On est là. Alors, vas-y. Soin pour tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel endroit en dehors de la ville. Voilà qui est fascinant. Il me rappelle beaucoup mon propre village. C'est tout simplement merveilleux. Du coup, ça a relancé toutes les commandes en même temps. Vous voilà. Alors c'est parti. Tout aux sources de chaume. Allons-y. Ok. Alors ça, puis il y a un petit décalage. Il y a 511 secondes, je crois. Je sais pas combien ça fait. 8 minutes, je crois. Pour éviter de matraque. Le 20 par tête. Oh, mais c'est la princesse Alva. Regarde, chérie, regarde qui est là. Il va baisser les prix ou quoi? Ça fait tellement plaisir de vous voir. Pour vous, c'est la maison qui offre, petite... Ah, bravo, carrément. On en est à là. Ouais, ça facilite le royaume. Sans royaume d'ailleurs, c'est une princesse mais sans royaume. Et vous êtes les gens qui ont gagné ce fameux pari contre Lee, n'est-ce pas? En fait, on a gagné de la thune et il nous a forcé à faire un pari. Tu ne viens pas un jonc. Ton père doit passer par l'autre porte, petite. Le dernier halo est un œuf. Mais ça se trouve, il n'y a plus de son qui fonctionne. Hein. Je suis en train de me dire que ça se trouve, il n'y a rien. Qu'est-ce que je pourrais essayer pour voir? Je vais essayer le zoom. Ah ouais, mais il n'y a pas de son dans le zoom. Je sais plus. On va essayer LPT. Merci, Misto. Et la police tue? Ça, on entend bien en fait, ça marche. Ces choses noires, elles ont quelque chose qui me dérange fortement. Et les monstres à bord de la ville, ils semblent agités ces derniers temps. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'une catastrophe se prépare. Mais ça, c'est censé durer 15 à 19 heures, ok? Donc, je ne comprends pas.
À quel moment le jeu commence? Parce que... Ah oui, j'avais oublié un trigger warning as fuck. J'espère que tu es bien posé, Misto. Sur le sexisme ambiant de ce truc, il y a des moments où c'est très rapidement misogyne, hein, ça switch très rapidement. Donc là, on est dans les sources d'eau chaude, j'ai un peu peur de la suite. En général, c'est pas... C'est un peu shonen misogynie, quoi. Donc là, voilà, ça c'est le jeu, la joie. Je vous laisse sur cette image. Dane. Voilà. Ouais, je préfère prévenir parce qu'en fait, ça sort, moi je le dis pas, je le lis pas. Et du coup, vous pouvez sortir les hot Dane et les noms, c'est noms dans la normalité si vous voulez. Mais ouais, ça va très vite, hein. Par exemple, là, je sens le truc puant du shonen misogynie qui est un homme dans une salle de change de femme. On va voir. On se barre, hein. On se barre. Hein. Halte là. Plaisir. Personne ne quitte cet établissement avant d'avoir bu un verre de lait. On ne peut pas prétendre habiter Barrageville sans un grand verre de lait frais. C'est moi qui régale, fiston. Ok, vas-y, fais sortir. Hein. On peut parler de l'exploitation animale en passant ou pas? Un homme de 40 ans qui boit du lait, mais ça ne se voit plus. Ah. Rappelons des estomacs masculins. Vous êtes un véritable habitant. Et du cul aussi. Comment s'appelle les intestins là? On peut partir, hein. C'est peut-être du lait d'amande. Ou du... Ouais, peut-être. J'ai découvert d'ailleurs le lait de riz. Ça se tente, hein. Ça se tente, hein. Rien de tel qu'un bon bain après une longue journée. C'est vraiment le paradis. Je comprends. On peut voir son œuvre? Non. Bah, kiffe bien, hein. Salut Delphéa. Et du coup, je sais pas si Ring Bell est dans le coin, mais on peut tester juste avec... en parlant de Delphéa. Bonjour, je vais juste écrire bonjour Delphéa, normalement ça devrait marcher. Ah, bah ça marche pas pour Delphéa, trop bizarre. Voilà, allez voir Delphéa, il y a beaucoup de choses. Ah, tu as mis un kappa, fais attention, il y a écrit en plus dans le chat, je te demande tout de suite. 2 minutes, Misto. Hop, je vais copier. Je te demande tout de suite. Oui, on peut faire du lait de toutes les céréales. Ouais, et le lait de riz, ça se tente, hein. Franchement, je vous conseille. Misto, je te ban. Voilà. T'inquiète. J'ai compris que c'était le kappa. Donc ouais, l'ironie, ça passe... compliqué, c'est compliqué. Le lait de riz, c'est ma cam depuis que je peux plus boire de lait de vache. Ouais, mais il faut... Il faut commencer à switcher, de toute façon, hein. Histoire qu'on arrête de... Vous savez comment on fait le lait, hein? Vous savez ou faut que je vous le dise? Ah bah, on est encore déconnecté sur Mixitop, mais Mixitop, tu... Je vous conseille vraiment le lait de céréales, hein, si vous voulez éviter de savoir exactement comment on fait le lait. Mais pour les pâtisseries, je préfère le lait de soja ou d'amande. Oui, bah parce que c'est plus sucré, je comprends. Pour le lait d'amande, c'est une tuerie, en plus. On broie des vaches. Non, ça c'est le steak. Ça c'est le steak, ça. C'est toutes les viandes, ça. Ouais. Merci, je l'ai vite fait les règles. Ouais, alors les règles, c'est les règles du chat. Son rappel, les règles du truc, c'est juste que je l'ai pas mis en entier, mais en fait, ouais, il y a une règle spécifique qui peut être corrigée justement sur les discussions qu'on peut avoir. Mandoré, moi je sais, c'est pour ça que je suis vegan depuis 4 ans. Ouais, bah Delphéa... Alors, on fait un vote, hein. Faites 1 si vous connaissez la production de lait, et faites 2 si vous ne connaissez pas la production de lait. Le lait de riz, c'est plutôt sucré, je trouve. Ah, ça dépend de quelle marque, je pense.
Je sais pas en fait. Je n'ai goûté qu'une, deux. Une des rares modèles blancs produits. Le cap qui banne 12 mois, ça pique. Ah non, mais c'est pire que ça. Hein. Ah, je t'ai pas expliqué, Misto, comment ça se passe ici. Ouais, c'est bien. Okay. Là, il n'y a pas le stop et harassment, donc ça va, vous pouvez poster tranquillement les 1. Ouais, donc ici, en fait, on banne def. Et si on est gentil, c'est du coup les robots. Et c'est ban 365 jours. Il n'y a pas de time out. Donc j'ai l'impression que vous êtes plus, vous savez. La lueur de la lune illumine la route menant une vie en ville. C'est la toute première fois que Sam peut admirer le ciel depuis son arrivée à la surface. Et quel spectacle splendide, les si grands, si vastes qu'il pourrait la vallée tout entière. Mais il a aussi quelque chose de descendant. Et si c'était un dôme ici aussi, plus grand que celui de l'île Cocotte, mais un dôme tout de même. Oh non, 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 ça c'est un rapport petit, ça. Non ? L'histoire du dôme dans un dôme, c'est pas un truc genre... c'est pas... Comment ça s'appelle ? Il y a un terme pour ça. Comme... si le dôme, c'est la terre plate. Il y a une sorte de... Il sous-entend un dôme, la terre plate. C'est encore une histoire de terre platiste, j'en peux plus. Le stream géré par des cybermen. Alors, cybermen, pas forcément. C'est des robots qu'on peut avoir accès, justement, pour faire fonctionner Twitch de manière un peu... Ah non, mais c'est le pire misogyne de tous les temps, lui. Doom Session. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Ouais, et du coup, en fait, je teste tous les robots pour voir celui qui peut m'aider pour la modération. Sachant que, pour l'instant, Mixitup, c'est celui qui a une community list, donc une liste accessible. Et j'aimerais bien avoir tous les termes bannis par Twitch. Surtout qu'en plus, en ce moment, vu que l'automode, moi, je l'ai monté au maximum. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais ça se trouve, vous avez des trucs qui sont automodés en ce moment. Vu qu'il est au maximum automode, il est en train de me signaler des trucs comme quoi ça pourrait toucher ma sensibilité. Il veut plus marcher, Mixitup, je crois. Il a décidé d'arrêter. Ah, c'est bon. Je le mets là. Et du coup, maintenant, il me censure des trucs dans les chats d'autres personnes. C'est intéressant. Mais par contre, c'est des trucs un peu nuls pour l'instant. Donc, c'est pas les pires, quoi, qui sont censurés. Donc en fait, moi, j'aimerais avoir quand même la possibilité d'avoir une sorte de chat nickel. Essayer de voir si on peut le faire. Parce que c'est un peu mon dada. Mais pourquoi on est là, au fait? Pourquoi on est revenu ici? Pourquoi on est tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a décidé d'arrêter de jouer sans moi. Et je joue plus. Faut que j'aille voir Uva, j'imagine. Je suis en train de faire dodo. Je rêve. Je rêve d'aller voir Uva. Quel enfer. Donc ouais, l'histoire du dôme, c'est terre-platiste. Ouais. Si vous ne connaissez pas l'histoire du dôme, bah c'est tant mieux. Parce que c'est quand même chaud. Je vous conseille d'aller voir. Alors, comment il s'appelle? C'est Fold. Bah, je vais aller chercher. Parce que le jeu, il a pas l'air de vouloir de toute façon commencer à jouer, là. Je vais aller chercher vite fait. Sur YouTube, il y a Folder Guy ou Fold Guy, je sais plus, qui a fait une super vidéo pour démonter le principe des terres platistes. Et qui, je soupçonne, va traiter les NFT dans pas longtemps. D'ailleurs, Raving Bell, est-ce que tu connais la dernière nouvelle ou pas? Est-ce que tu connais la dernière nouvelle sur les NFT ou pas? Parce que je peux vous la donner. Il y a récemment, du coup, des gens qui se sont dit, bah en fait, on va faire chier les gens qui font du NFT de manière nulle, hein, mais c'est grosso modo de récupérer tous les JPEG sur leur site et de faire un Pirate Bay. Et donc du coup il y a NFT Bay qui existe maintenant avec une galerie de NFT qui sont vendus je sais pas combien dans le schéma de leur game de capitalisme,
Et en fait, il y a eu ça, c'était il y a 2 jours, je crois. Ça m'a fait mais tellement rire, et les réactions en mode non mais de toute façon c'est le ticket qui compte, c'est pas du tout l'œuvre. Donc ça casse aussi un de leurs trucs qui est de soi-disant de soutenir les artistes, parce qu'en fait c'est clairement pas ça. C'est clairement de se faire de la thune comme le marché de l'art, c'est-à-dire comme des gros crevards de gens qui veulent s'acheter, revendre, etc. C'est faire grimper des thunes. Ah, j'arrive pas à trouver. Oh là là. Je galère. Comment ça s'appelle? Fall Guy, peut-être? Non, c'est pas ça. Ah, mais je sais plus. Je sais plus. C'est moi, il y a un décalage là. Ok, je vais chercher vite fait sur mon Tether. Foldable human, voilà, c'est humain pliable. Foldable. Et je vous envoie le truc sur l'histoire de. Il y a aussi Edge Bomber Guy, hein, qui a fait un super truc aussi sur la Terre plate en cassant la moitié de ses murs, parce que c'est ridicule. Je vous envoie ça, comme ça va être fait. D'ailleurs, ok. Qui a fait une super vidéo d'Edge Bomber Guy sur le mouvement anti-vaccin anglais et ce que ça a fait dans les années 80. Voilà. Sur l'hépatite et compagnie, si vous vous rappelez de cette histoire-là, qui s'appelle Vaccin, une réponse mesurée. Et donc, du coup, c'est suivre les premiers polémistes, justement, du mouvement anti-vax et est-ce que finalement c'était réel ou pas. Vu qu'il y a eu en plus le comment ça s'appelle? Le cassage de Raoult récemment. Vous avez dû suivre ça un peu dans les infos. Voilà. Et ne regardez pas sur Foldable Human, il a fait une vidéo sur comment sont les nuggets et comment on peut. Comment sont construits les nuggets et comment James Oliver, donc le mec qui s'occupe de cuisine en, je sais pas où, en Angleterre, hein, top cauchemar en cuisine, je sais pas quoi, qui a fait le tour des infos. Et le tour des universités et autres écoles pour pouvoir promouvoir la bonne bouffe, qu'en fait, il avait pas capté plein de problèmes voilà. Ouais, bah, bonne sieste, hein, Rancalo. Et du coup, les 2 trucs là que je vous ai envoyés, bah, ça fait partie du BreadTube, ce qui s'appelle en fait le. C'est la version blanche de gauche d'Amérique et d'Angleterre. Tu trépignes d'impatience, hein? Ami aussi. Ho ho ho. Bon, qu'est-ce qu'il va. Okay, on va faire à manger. Mais je peux même pas utiliser ma poêle. À un moment, faut jouer, hein. Et donc, du coup, une Search of Flat Earth, c'est tous les arguments démontés un à un. Et c'est vachement intéressant pour l'utilisation, par exemple, du matériel. Photographique, si jamais vous êtes intéressé, pour l'explication de la courbe ou la non-courbe qui peut y avoir par rapport aux objectifs, la manière dont on peut les utiliser, etc. Je sais pas ce qu'on peut faire ici, donc on se casse en fait. Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi? On peut partir. Où est la carte? Je n'ai même pas accès à la carte. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi on est dans ce rêve étayé où en fait là c'est tout le monde qui est mort, on le sait, hein. Ils sont tous morts. Pourquoi cette terre perplexe? Tu ne te souviens plus de nous? Tout est bien réel. Ok, tu n'es pas bien réveillé, c'est ça. Cesse de t'inquiéter et va voir Uva. Mais Uva, elle est où? On est allé chez elle, elle était pas là. Bon, est-ce qu'on peut t'acheter des trucs ou pas, monsieur? On n'a pas beaucoup de clients quand le jour de la moisson arrive. Ok. Donc c'est fini pour Watt.
D'ailleurs, j'ai toujours pas bloqué les liens. Donc, si vous avez envie de faire des recos, c'est le bon moment parce que on se fait chier. Yvan n'est clairement pas là, donc elle doit être dehors. On peut pas courir hein, dans ce jeu. J'ai réglé d'ailleurs le problème de Silent Hill en parlant de courir. On va peut-être jouer à Silent Hill plus tard. La suite de la flip. La moisson, c'est aujourd'hui. On compte sur toi, Arjon. Et ça, c'était déjà le cas avant. On peut acheter des trucs, pas hein? Non. Donc, on est dans un rêve. Quand on peut pas acheter des trucs, c'est qu'on est dans un rêve. Donc, du coup, j'imagine qu'elle est par là, Uva. Pas de Rocco, si Freddy. Oh. Avec. Là, c'est quand même compliqué parce que c'est. Une vanne qui pourrait être passée, mais est-ce que l'homme problématique qu'il est passe? C'est compliqué. Te voilà. Non, ne t'approche pas. Pardon, je ne voulais pas dire ça. Il faut que tu saches que je ne t'en veux pas. C'était simplement notre destin. Ouh là là, ça commence à faire des allitérations, c'est beau. C'est comme ça que ça s'appelle des allitérations, je crois. Non? Ta venue ici n'y change rien. Mais oui, mais tu es dead, Uva. Comment va Sam? Elle s'est fait de nouveaux amis? Pas vraiment. On s'est fait carotter de la thune. Tu te sens toujours coupable, n'est-ce pas? Mais oui, la ref est nulle. Là, oui, bah après, c'est... Tu sais, dans pas longtemps, dans 5 ans, je pense que la ref est... Et c'est fini, il faudra trouver d'autres personnes... pour faire cette blague. Parce que d'ici 5 ans, il n'y a plus personne qui s'en rappelle de ce mec. À part justement les personnes qui ont travaillé avec cette personne. Enfin, voilà. Jon. Réveille-toi, Jon. Jon, le miasme est là. Ah bah voilà. La deuxième fois. Le miasme, John, il est vraiment là. Donc là, on va se retrouver face à la smoke de Lost. Hein. Parce que c'est ça, le miasme. Et mélangé avec The Last of Us. Ben, les gens de notre génération. Ouais, exactement. Même notre génération, c'est déjà âgé. En fait, on est... âgé, façon de parler. En vrai, on est... C'est la dernière génération sur laquelle il a eu un impact. Hein. Il était déjà actif avant, et il avait déjà fait sa retraite. Presque. Je vais voir si on peut aller. On peut s'enfuir en fusée. Bah, ça a pas l'air d'être le cas. Hein. Franchement, on pourrait se barrer en fusée, mais ça a pas l'air de vouloir. Hein. Donc là, on va se retrouver encore avec une autre ville. Parce que là, on a fini toutes les quêtes de cette ville. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est au bout de 3 qu'on réussit à faire quelque chose? On n'a même pas essayé de faire quoi que ce soit pour contrôler le miasme. On rencontre des gens sur le chemin. Et c'est tout. On va prendre le tromé ou quoi? Jon, le sanctuaire du vent est à l'ouest de l'avenue de la princesse. Bah, t'as de la chance, Delphia, mais. Moi non plus, hein, personnellement, mais. Mais il fait partie d'une culture des années 90, quand même. Après. C'est. Quelle culture, quoi. On doit aller dans le sanctuaire. J'ai pas compris. Et du coup, la poêle, on l'utilise presque jamais en fait. On va l'utiliser, mais que maintenant. Oui, c'est ça, c'est au sanctuaire. Je comprends pas pourquoi on va au sanctuaire. C'est là. Sanctuaire du vent. Qu'est-ce qu'on fout? Ah oui, si. C'est pour le grand ventilateur.
Oui, c'est ça, on va enfin utiliser le ventilateur de cette ville. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être fini le jeu. La salle de contrôle est par là. Allez, le boss et la princesse vous attendent. Ok, bah c'est très bien. On y va ? Bon, on va acheter des trucs, hein, parce que c'est peut-être l'urgence, mais achetons des trucs. De la vie, et on s'en fiche des munitions, parce qu'on a notre robot. On va faire une sauvegarde. Ah mais ça sert à rien, parce que je voulais faire à manger, mais en fait... là, si je fais à manger, ça servira à que... Et en plus, j'ai aucun ingrédient. Je sais pas si ça se mélange. Hein. Oignon, citron, œuf. Franchement, j'y crois pas. Hein. Nouilles froides. Ah ouais. Attendez, on va faire des nouilles froides. C'est les. Comment ça s'appelle Il y a un terme. Je connais le nom. Je connais le nom. Bon, vas-y, on va claquer. Hein. C'est bon, hein. Ouais, j'ai de la place. On va faire à manger. On est prêt? Prête? On va faire des nouilles froides. Donc, œuf, citron. Oignon. Donc ça fait des ramen. Des ramen froides. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a un terme pour ça. Après, ça doit changer selon les pays. Je connais le terme de version coréenne. C'est une nouvelle recette, en effet. 5 cœurs, hein, c'est classe. 5 cœurs et 5 protections en plus. Bon. Du coup, vu qu'on a fait des nouilles, on va se re-sauvegarder. Bon, bah, on descend. Ah non, on monte. Il y a un décalage quand même avec la vidéo, je regarde, hein. C'est compliqué. C'est où? C'est en haut, j'imagine. C'est quoi ça? C'est un truc d'aération. Ah oui, il faut que je vous fasse quand même un truc. Ce soir, il y a, à 20h, il y a Cinéma et Politique qui sort une vidéo, donc allez voir. Je pense que ça va être vachement bien, ça va être sur le... Oui, alors les... Oui. Alors, c'est un style de soba. Mais je peux chercher le nom en coréen. C'est un style de soba, je crois. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, mais là, en fait, on est d'accord qu'on s'est protégé et on n'aide personne, en fait, c'est ça? Ouais, le truc, c'est qu'il y a des œufs dans les nouilles coréennes. C'est ça, hein. Après, je sais plus le terme. C'est des nouilles froides qui sont apparemment un truc qui est un très antique, très tradit depuis énormément d'années. Je m'en rappelle plus du terme. Vous trouvez sûrement des informations sur les trois qui manquent. Ok. D'accord. J'ai tout suivi. Hein. Bonjour. Je rêve de ce jour depuis que je suis gamin. Contrôler le dieu du vent et mettre la fin au mien. Ah bah ça va être la fin. On est à la fin. Ok, super. Bah on va faire un boss rush. Hein. On va se taper contre... est-ce que vous vous sentez dans un bunker et à devoir appuyer constamment sur le même bouton? Oui, c'est la différence, je crois, entre Udon et Soba, c'est la nouille. Je ne suis pas sûr. Si vous vous rappelez d'une série que j'ai haïe toute ma vie, mais que beaucoup de gens ont aimé, où il fallait appuyer dans un bouton, dans un bunker, parce qu'on sait pas ce qui se passe au bout de 24 heures, et que en plus, il y a une fumée noire, vous vous sentez à votre place ici. Bon, on va se taper le maçon, c'est parti. C'est pas là? Là? Attends, mais je vais où? Ça me fatigue. D'accord, faut que je remonte, ok. En fait, je monte pour descendre, j'en peux plus. Faire des allers-retours pour discuter. C'est bien le lore, mais... Là, je descends, c'est ça?
Parce que j'ai pas pu dessiner. C'est ouvert. Ok. De toute façon, on a une poêle. C'est parti, on a une poêle carrée. On va tout gagner. Hein. On est là pour ça. Je vais pas devoir attendre. Il se passe quoi là? Comment je descends? Ah, c'est. Je suis censé descendre là? Y'a rien. La différence entre Udon et Soba, c'est la taille des. Et les Soba sont plus fines. Ok. On ne me rappelle plus de la différence. Bon, bah voilà. On est descendu, mais ça nous a pas aidé. Je suis censé appuyer sur un bouton, j'imagine, mais je sais pas où. Je comprends pas. Il se passe quoi, monsieur? Mias me se rapproche, il y a des monstres partout, fais gaffe à toi. Mais où? Où sont les monstres? Parce que je suis descendu, la porte était pas ouverte, je suis monté, il y a la porte est ouverte, mais on peut pas aller. Ça me fatigue, votre histoire. Donc là, je suis en haut. Et ils disent que la porte du boss est en haut. D'accord, mais... Où? Là, c'est fermé, ici. Je dois parler avec qui? Je vais parler avec la princesse. Ne vous en faites pas, le dieu du vent est tout simplement imbattable. Ok. Je peux y aller là? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je vous parle. Vas-y, j'en ai marre. On sort. On se barre. On va essayer de faire un truc. De toute façon, il n'y a même pas le petit aiguillage là. Donc, je marche sans savoir où je vais. En bas, je redescends. Je veux absolument voir. Je ne vois strictement rien. Est-ce qu'il y a un bouton? Ça, c'est un bouton? Non. Ça, c'est un bouton? Non. Est-ce qu'il y a un truc qui monte et qui descend ici? Je n'ai pas l'impression. Ouais, c'est... On va monter. Peut-être que c'est là-haut. En fait, j'ai du mal à saisir. Si on a la capacité de sortir en plus, je vois pas l'intérêt. Donc là, on est descendu pour monter, pour redescendre, et je ne vois pas l'intérêt. Ok, c'est parti. On est mort. Lumière se m'arrive. Laissez-nous gérer de ce côté, je... Ok, d'accord. Je n'ai fait que ça pour faire... Mais c'est pas possible! Vraiment, je suis descendu pour remonter. J'en peux plus de ce jeu. J'en peux plus. Et donc, tout ça pour revenir au casino, où on n'aura jamais notre thune. Donc je suis heureux. Happy. I'm happy. Ok, bonjour. Bonjour les gens du cirque. On leur dit... Le jour, on saura sûrement quoi faire. Alba nous a dit que tout le monde n'avait pas réussi à évacuer. Vous savez qui est encore dehors? C'est Jasper, il n'est pas là. Ok. Personne ne l'a vu depuis qu'on a reçu l'ordre d'évacuer le parc. Ok. Là, je pense qu'il est un peu mal, parce que c'est lui qui a pris le mal la dernière fois. Donc, on va vérifier. Viens, Jon, il n'y a pas... Voilà. Donc là, on a fait encore un demi-tour. J'en ai marre de ces quêtes qui me font courir partout. On va aller au cirque maintenant. Parce que ça fait un peu trop... En fait, c'est exactement le genre de JDR que je supporte pas. C'est les trucs où on te fait te balader, mais pour rien. Vraiment rien. Toi, tu prends une information, tu pars. C'est vraiment... triste. Donc là, on va aller prendre une information pour savoir où est Jasper. Je suis trop. Et après, on repart. À moins qu'il soit déjà là-bas et qu'il soit dans un mal-être, que tout le monde est parti et on ne sent rien faire. Évacuation. Bon. Jasper. Ah bah tiens, il y a des monstres. N'approchez pas, oust. Je ne vous laisserai pas faire. On dirait les miasmes de Miyazaki. Non mais on a une poêle carrée donc ça va se passer bien. Déjà qu'avec la poêle carrée c'était bien. Ah oui là. Écoute. Voilà. Hop.
Ah oui, d'accord, elle est vraiment plus vénère qu'une première, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment la plus efficace de tout le jeu, en fait. C'est le seul moment où elle est efficace. Ok, merci. Je n'ai pas fui cette fois. Ah oui, mais il fallait peut-être fuir. Hein. On aurait dit un vaillant guerrier, j'espère. Vraiment, vraiment. Vaillant. Il manque encore de personnes. Viens, Jon, on retourne au palais Pécule. Quelqu'un d'autre pourra peut-être nous en dire plus. Ok. Bah, de toute façon, ils sont tous là-haut. Hein, donc, ouais. J'ai envie de dire, on monte au palais. Je sais même plus où c'est pas grave. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? On a encore deux gars dehors. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Pas la peine de chercher des excuses. Meng. Je vous dis pas comme je suis content de vous voir. Les monstres sont là. Il y en a plein dans la ville. C'est exactement pour ça qu'on est là. Si c'est pas fantastique, ça, j'aurais dû me rappeler qu'on pouvait toujours compter sur vous. Contrairement à ces bandes de gouraki assez qui passent leur temps à se tourner les pouces. Vous dites qu'il y a encore des gens dehors? Tout juste, et j'ai un peu honte de l'admettre, mais il se trouve que c'est mes deux branquignoles dans le... J'aurais pas dû lire ce mot. Ok. Quoi, ces deux types qui ont quitté votre équipe? Oui, eux, c'est deux Malabar. Ah, là, ok. Toute la ville les connaît maintenant. Enfin bref, le vrai problème, c'est qu'ils sont toujours pas là. Au dernier voile, quelqu'un les a vus au marché du dragon. Oh, super, on va faire tous les chemins pour pouvoir faire toute la ville avant de partir. Je suis très 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 heureux. I'm happy, I'm happy. C'est une mission de sauvetage. Avec toujours des monstres à la clé, bien entendu. Je crois que c'est encore en bas. Oui. Celle-ci est pas mal comme musique de monstre. Regarde là-bas. Oh. Des monstres. Ça va être dur, j'imagine. Mais sans la poêle carrée, on peut le faire. C'était dur. Vous avez vu cette rapidité des skills? Allez vite au palais Pécule, il se prépare. Pas moyen. Mon frangin, il est allé à la grande gare. Je dois le sauver, il est en danger. Oh non, pas la grande gare, elle est loin. On y sera en même temps avec le métro. Non. Sympa ça en route. Oh, en plus, ça va être le seul chemin où on va pouvoir faire la grande gare au métro, alors qu'en général ça marche jamais. Bon, j'ai pas trouvé la sorte de nouille que tu recherches, sauvé. Ah, je vais checker moi. Ok. Je vais checker, vite fait. Après, je te fais confiance. Hein. Peut-être que je vais peut-être. Il est mimi le jeu en tout cas. Il est très beau. Il y a des phases, misogynes. Il n'y a pas trop de sens dans le scénario là en ce moment. Ça fait genre depuis la semaine dernière en fait. C'est un peu tiré sur le truc. Donc, je sais pas.
Alors, c'est Naengmyeon, je crois. Soupe traditionnelle nord-coréenne à base de nouilles faites de farine de sarrasin, de pommes de terre et de patates douces. Je crois que c'est ça. C'est froid, je crois. C'est connu depuis la dynastie Joseon. Originaire de Corée du Nord, elle devient très populaire dans l'ensemble de la péninsule coréenne après la guerre de Corée. Et c'est des nouilles nature. Ça, c'est Naengmyeon, c'est nouilles nature. Et du coup, tu peux faire des bim bim Naengmyeon et des moules Naengmyeon qui sont donc soit avec le kimchi, apparemment, soit avec du porc. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça parce que après on tombe sur les nouilles froides quand on cherche la nuit. Oui, j'ai même une recette facile pour qui n'a pas de machine pâte. Bah, fais tourner, n'hésite pas. Il y a un bazar hein, dans le Discord en plus. Peut-être qu'ils ont déjà tous filé. Oh. Ah non, je sais pas où tu. Je sais que tu n'es pas. Je suis pas sûr que tu sois dans le Discord, mais si tu veux faire tourner, n'hésite pas, mais les liens sont possibles. Hein. Vous savez conduire ces engins, vous? Ok. Un train, ça doit pas être bien différent. Enfin, il faudrait déjà qu'on tourne. Hein. Merci, Jiju. Parce que moi, j'ai pas accès à une machine à pâte. Autant qu'on arrive à la grande gare, il restera plus rien de mon frangin. Et du coup, ce qui est bien avec les... En fait, je regarde beaucoup en ce moment les repas coréens, parce que j'ai... Je récupère des légumes, et il y a des moments où j'arrive pas à utiliser tout. Et en fait, c'est pas mal, parce que les ramen ou les nouilles, justement, en général, tu peux bien mélanger avec pas mal de choses, et il y a beaucoup de légumes, au final, dans ce genre de repas. Voilà. Et par exemple, le radis blanc et le chou, c'est un truc que je savais pas trop quoi faire avec, et du coup, je sais quoi faire. Parce que le chou, c'est marrant une fois quand tu l'as mangé tel que tu connais, tu vois. Mais après... Ah, c'est cool. Merci, Jismu. En plus, si c'est la cuisine familiale, c'est bien. Bon sang, il est passé où? Il a pas intérêt à se faire manger par un monstre. Vous vous approchez. Ah, mais c'est juste à côté, c'est étrange. Ah, c'est le même nombre. Là, je pense que la cuisine familiale, c'est le plus important. En plus, à transmettre, c'est vachement cool. C'est pour ça, là, en ce moment, je finis bientôt mon tour de mon intérêt. Pas vraiment mon intérêt. Ah, bah, tiens, elle est décédée? Il se passe quoi? Elle est dead? Il s'est passé quoi? Elle est où, là? Il y a un bug? Il s'est passé quoi? Elle est où, là? Elle est partie où? Ah oui, ils m'ont dit, non, tu joues pas avec elle. Tu peux faire des légumes sautés avec une bonne sauce et des nouilles, et les recettes sont illimitées. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, j'évite de sauter, j'ai du mal avec tout ce qui est un peu gras. Je mange très peu de sucre aussi. Je suis un moine. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je me définis comme ça. Dans la bouffe, j'ai horreur des sauces en général, sauf certaines sauces. Et les sauces que j'ai comme culture d'éducation, quoi. Donc, il n'y a pas grande sauce. Par exemple, la vinaigrette, déjà, c'est mort pour moi. Tout ce qui est vinaigre et huile en tant que sauce, c'est pas vraiment une sauce pour moi. Ça crame les aliments, il n'y a plus de goût, je trouve. Donc, Mais comment t'as su où elles étaient? J'ai acheté le tuyau à un type, un certain William. C'était pas donné d'ailleurs. Mais je me fais. Bien sûr, je me fais battre à la maison. Hein. Enfin, non, je me fais pas battre. Je fais pas la blague. C'est pas une blague. Je me fais bien vanner. On me vanne bien sur mon tri des oignons aussi, par exemple. Lui-même, le roi de l'argent facile. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre sur les billets.
Mais ouais, après, de temps en temps, je me fais des légumes sautés, mais c'est rare. J'aime bien les trucs qui ont le goût, en fait. Ah, si t'as des recettes. Moi, je suis preneur de recettes, hein. J'essaye de faire un peu d'effort quand même dans ma vie. Et je sais que j'ai pas eu le temps de trop me pencher sur la cuisine, donc j'ai essayé de temps en temps de faire un plaisir, mais c'est compliqué. Du coup, j'invente. Ou je prends des trucs que je connais déjà et que je réutilise. Mais je cherche pas quoi. Mais le gras, c'est la vie. Alors non, alors, je suis désolé. Je suis désolé, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je mange très très peu de viande. C'est tous les trucs genre où t'as du gras au milieu, je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois, genre le jambon avec de la couenne, tu vois, genre je peux comprendre le principe, c'est comme ça que c'est édité, on va dire. Mais ouais, je crois que je capte pas. Genre, t'achètes du gras, quoi. Et je dois encore aller chercher quelqu'un, mais j'en peux plus de ma vie. Bon, je vais à ça. L'enlurie jaune montre des recettes. Ah, mais du coup, vapeur aussi. Ouais, la vapeur, c'est cool. C'est cool. Et ouais, je connaissais un peu, mais j'ai jamais vu regarder vraiment la chaîne. Mais je sais je sais me débrouiller pour trouver de la bouffe sur ça, ça c'est pas un problème. Après, ce qui est bien, c'est que je vais regarder, hein, du coup, si tu me dis qu'il y a de la bouffe de ce côté-là. Les légumes vapeur, c'est une tuerie, ouais, c'est pour ça que je. C'est une tuerie, je suis désolé, mais c'est une tuerie. Enfin, excusez-moi, hein, c'est une tuerie. C'est pas ici? Non. J'ai pas beaucoup de vocabulaire, non, sur ça, hein, mais clairement, légumes vapeur, ça claque. Légumes crus, pour moi, c'est genre la vraie vie. The real deal, quoi. Je peux vraiment tout manger cru, c'est juste infernal. Et là, tu vois, par exemple, là, il y a un super graphe. L'histoire du squelette et tout, c'est vachement bien. Mais en fait, j'aime bien l'ambiance. C'est super travaillé et tout. Mais je capte pas. Il y a des trucs que je comprends pas le jeu. Bon, je le laisse faire sa petite choré pour Avengers. Il joue à Dance Dance Revolution en fait. Comme ça, moi j'ai déjà vu ça. Il est en train de faire le high score de dos avec les lettres invisibles. Enfin les touches invisibles. En hardcore. Charon, attends mon appel. Charon. File à la salle de contrôle. Cesse de m'importuner, grossier personnage. Sale morveux, j'en ai ras-le-bol de tes mauvais tours. Cette fois, tu viens avec moi. Vous deux aussi, le ventilateur va bientôt démarrer, dépêchez-vous. Ok, sbire du miasme. Ah bah, il nous a pas attrapé par le col. Bon, on va faire le boss, hein. Ça c'était une quête, hein. Je précise, si vous n'avez pas compris. Après, la musique est cool, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des trucs qui sont bien dans le jeu. Mais là, ça va prendre encore. En fait, ça prend des styles genre Final Fantasy que je supporte pas, c'est le principe des allers-retours de Final Fantasy. Ou le level up gratuit, tu vois, genre. C'est pas souple quoi. Comme moyen de jouer. T'es obligé de te confronter à des trucs qui t'embêtent en fait. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, plus besoin d'attendre, on peut enfin passer à l'action. Ok. C'est quand qu'on se tape? Que la bataille commence. Ok. C'est la musique du début, rappelez-vous.
Ah, cutscene en dehors du jeu, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se passe là? Vous voyez quelque chose? Ça vibre, à part ça. Ah oui, c'est le ventilateur. Alors ça vibre, excusez-moi. J'essaie de tenir la manette, mais... C'était passé en mode vibro. Là. Alors attendez, parce que je connais le principe d'un ventilateur. On est d'accord que là, si tu repousses le la musique est stylée, oui, c'est la musique d'intro, elle est archi stylée. Si tu repousses le fog, on est d'accord que sur le principe, tu tues qu'une autre ville, en fait. Ou au moins la faune à côté. Ça y est, le miasme s'est totalement dissipé. Oui, mais il y a un boss, on connaît l'histoire. On a réussi. Non, c'est impossible. Si, on a. Il suffit juste d'un ventilateur. De pas trop regarder ce qui se passe à côté, et tout va bien. On est rentré. C'était un mardi. C'est super calme ici. Bah ouais. On peut utiliser la fusée ou pas? Je comprends pas. J'ai pas peur de ce miasme, moi. Ouais, il y a un décalage avec le truc. Je vois Gilou qui me répond. Oui, tu envoies juste ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Un Sex on the Beach. Ça existe toujours, ça, comme cocktail. La même chose que d'habitude. Et un lait fraise. Les lait fraises, c'est pareil. Ça, c'est une ref. Je sais pas pourquoi ça existe encore. Tu ne pourrais pas m'accompagner un peu pour changer? L'alcool ralentit mes réflexes. Essaye de ne pas trop boire, d'accord? Oui, oui, je sais. Toujours à me faire la morale. Elle enlève son... Elle enlève son chapeau, quoi. Quand elle est en train de boire. Hé, hey, Isa. Mm-hmm. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu un verre ensemble. Attention, c'est... C'est mélancolique ou romantique, hein, on sait pas. Quand tout ça sera fini, on devrait partir en voyage, d'accord? Ah oui. Voyons, où aller? J'ai entendu parler d'un village d'érudits dans le sud. Ce serait génial que tu parles. Ah, elle parle vite. Ah, je me rappelle une histoire de papy sur un long de motard. Apparemment, ils passent toute leur vie sur leur moto. Oh, les... Alva. Est-ce que ça va? Non, j'ai peur, Isa. Le miasme. Et si le ventilateur n'avait pas marché? Ne dis pas des choses comme ça. Je... Quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Le barman il est en train de se dire faut que je me barre. Eh mais j'ai des drops de frame. C'est sérieux cette histoire. Là on en est à là. Quoi chapitre 4? Il y a combien de chapitres? Danse avec la mort. Ouais si. J'ai des drops de frame vraiment dans la vraie vie. Waouh. Ça faisait longtemps. Mais c'est long comme panneau! Oh là là! Je le sens, je le sens.
Le mana revient et a franchi mon corps des ravages du temps. Ah, mais vous n'étiez pas censé rajeunir? C'est le cas, hein, ça ne se voit pas. J'ai rajeuni d'au moins 200 ans. Je me sens aussi agile qu'une chèvre. Quoi? Une chèvre, c'est agile? Presse X to dodge. Hein. Plus agile que moi, en tout cas, je pense. Bonjour, ma chère petite assistante. Monsieur le rebelle Sonic, Jon, regarde, la rebelle Sonic est là. Activation du module olfactif, analyse de l'odeur. Hein, quoi? Oh oh oh, c'est du curry, mon plat préféré. Vous aimez le curry, monsieur le rebelle Sonic? Pareil qu'Elva, elle adore le curry de Jon. Isa, Isa, il prépare du curry. Hein, Isa? Isabelle est là aussi? Je voulais simplement dire que Isabelle m'a tellement parlé du curry de Jon que je meurs d'envie d'y goûter, voilà. Oh, vous voulez manger avec nous, alors? Rebelle Sonic, je rappelle, c'est une chèvre des montagnes. Oui, c'est ce que je me suis dit avec les pattes comme ça. Mais en fait, c'est le Rebelle Sonic, c'est Alva qui contrôle Rebelle Sonic. Et quand Isabelle va en mission à l'extérieur, en fait, c'est Alva qui l'accompagne, mais du coup, à travers le Rebelle Sonic. Et il en reste un macri famine avec de plus en plus d'insistance. Donc là, quand elle faisait le truc de... du curry, par exemple, en fait, elle parlait à Alva juste à côté, je pense. Fait un petit quelque chose à manger. Donc ouais, j'ai des drops de frame, je ne sais pas pourquoi. Merci OBS, hein. J'ai essayé de tout optimiser, mais jamais dans ma vie. C'est à cause du jeu, je suis sûr. Mais si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'arriverai à la vitesse du son, car je suis... le Rebelle Sonic. A plus tard, monsieur le Rebelle Sonic. Mais j'ai pas de place dans mon sac à dos. Jon, dépêche-toi. Jon, allez. Je sais pas jusqu'à combien de chapitres il y a, mais c'est long. Là, le chapitre 3 était long. Que opération Kaisdal commence. Notre cible, la salle de contrôle du barrage. Ok, super. Bon, voilà, la salle de contrôle, si tu veux. Je pensais que ma baignoire était à récurer, mais je vois la leur, c'est pire. Ouais, mais en fait, t'as vu, c'est pour montrer qu'on a une qualité texture, t'as vu? Moi j'aime bien, il y a des trucs qui sont vachement cool à regarder quand même dans ce jeu. On va essayer de monter des trucs au niveau des armes là, peut-être la poêle. Ah non, on peut pas vous monter la poêle. Mais le flingue, non. Il y a un truc qui pousse dedans. Ouais, bah ça arrive hein, apparemment. Ah, j'ai rien, je peux rien faire. J'ai que dalle. Encore une fois, je n'ai trouvé aucun composant. Donc je peux aller me jeter dans je sais pas quel jeu là. Bon bah... Allons à la salle du vent. Hein. Bonjour. Vous savez quoi? Je pense que Mias nous a donné une belle leçon. Vraiment, avec elle monsieur? Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Une conclusion remarquable monsieur. Vos parents sont d'une grande sagesse. Je dois noter ça tout de suite. En fait, j'adorerais avoir juste la map. Parce que je trouve incroyable les détails dans le juste dans la gueule des bâtiments en fait, c'est juste trop joli. Le jeu il veut pas avoir du 30 fps, il tombe à 27 de temps en temps. Désolé boss, je comprends pas ce qui s'est passé. C'est repérable. Ça pourrait nous prendre la journée. C'est trop. Il y a urgence. Alva, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, franchement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais je suis un peu occupé de mon côté pour l'instant. Lee, oh, et monsieur le rebelle Sonic, comment on se retrouve? Monsieur le quoi? Oh, quelle coïncidence. Apparemment, l'ascenseur du sanctuaire est capote. Le seul moyen de venir ici, je veux dire d'atteindre la salle de contrôle, c'est de faire un petit détour en passant par un tunnel d'entretien. Il se trouve à l'extérieur de la ville. Sortez par le centre-ville et vous ne pourrez pas le rater. Ok, compris. Bon bah on va, hein. On a un nouvel objectif assistant de laboratoire Jon. En route pour le tunnel d'entretien. Heureux. Heureux que je suis. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h40, oh là là. Est-ce qu'on va pouvoir faire un boss rush? Je ne sais. Terme utilisé dans le speedrun. Ouais c'est ça, c'est le milieu. C'est forcément l'endroit où on n'est pas allé, donc super. Ah bonjour
Ah bah c'est pas 12 bis qui parle d'ailleurs, c'est moi. Merci, 13 bis du coup. Du coup, le streamer bot, il a abandonné 12 bis, je crois. C'est pas où, parce que j'ai pas envie de faire 15 fois le tour. Ok, c'est le seul endroit où on est. Bon, vous avez remarqué du coup, si vous ne connaissez pas le jeu, que la poêle est là pour tout le monde. Hein. Ah, en deux coups maintenant. Allez. Et les champignons, hein, coup. Ok, bah, c'est sympa. Voilà. Rebel Sonic, vous avez 8. Hein. Monsieur le Rebel Sonic, décidément, on n'arrête pas de se croiser aujourd'hui. Je me suis souvenu que j'avais quelque chose à vous donner. Oh, une bombe volante. C'est génial. Trop bien. C'est une bombe volante. Un ballon rempli de poudre à canon explosif. Elle traque automatiquement les ennemis et les autres cibles à proximité. Elle est moins puissante qu'une bombe classique, mais elle reste très efficace. Vous devrez la tester sur le générateur en bas. Mais c'est très bien. Je suis pour. Faut brûler. Ok. Ah oui, faut brûler ça. Pardon. Est-ce que non non, c'est, ça c'est tiré. Ça. Ah. Voilà, voilà. Il y a une grenade. Frapper la bombe volante avec une attaque chargée. Donc c'est bien ce que je pensais. On va faire ça. Ah d'accord, ok. Ok. Tu veux pas te diriger genre juste pour faire genre... C'était juste ça, c'était entremêlé. Ok. Merci pour les bonbons. Bon bah voilà, on est parti pour un donjon, hein, j'ai l'impression. Ça a l'air cool. Donc normalement, d'ici 15 minutes... Mais prenez garde, à ne pas vous brûler. Un accident est si vite arrivé. Ah, donc il y aura le feu. Ok. Oh là là, je suis trop impatient de manger ça. Ah, mais c'était à la fin, c'était au même moment, comme on dit. Bon, après, on essaie de faire du Silent Hill, quoi. Quand il fait nuit. Tu t'en sors avec l'accélérateur secondaire ? Regarde si ça marche. Tout marche. Il est à nouveau opérationnel pour l'instant. Mais c'est bizarre, ces dégâts, ils ne sont pas accidentels. On dirait presque du sabotage, comme si quelqu'un l'avait brûlé. Du sabotage? Mais, pratiquement personne ne peut entrer ici. Moi j'imagine c'est Petit. Petit, il avait pas l'air d'être très content. Qu'est-ce qui se passe? Lily au rapport. Un séisme, toute la ville se tremble. Vos deux, on organise... le miasme, mon retour boss. Tout, il nous faut du vent. Répète, on du, oh, du, on du vent. Habitants de barrage, c'est là-bas qui vous parle. Miasme de retour, il se rapproche de votre ville. Vous devez tous vous réfugier au palais PQ. Abandonnez ce que vous faites et remettez-vous à l'abri tout de suite. Isa, on a pour combien de temps? 30 minutes, non 20. C'est trop long. Ah, c'est l'urgence. Je vais t'aider. C'est la pression. Wouah, ce passage conduit au barrage alors. C'est une sorte de passage secret. Comme dans la maison du maire. Ok. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Habitant de Barrageville, c'était avec... Bon, c'est... on a entendu ça. Jean, il faut qu'on se dépêche d'aller à le contrôle. Ils doivent avoir besoin de nous. Non. Je suis venu ici pour partir, là? Moi, je vais pas là. Hein. Je suis désolé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut passer par ici. C'est ça qu'elle disait. Fallait passer par là pour pouvoir ouvrir de l'autre côté, voilà, parce qu'il y avait des plateformes qu'on voyait pas, bien entendu. Bon, les bombes explosives qui font tête chercheuse en même temps, c'est volante et, et tête chercheuse. Tout ce que j'apprécie. Allez. Il y a rien. Il y a rien. Ok.
J'espère que vous voyez bien parce que c'est un peu sombre. On va aller dans cette salle d'abord. Je sais pas ce qu'il y a, c'était pas incroyable, mais ok. Ça commence vraiment à me casser. Ah. Qui a bien pu installer une chose pareille dans le barrage? Ah, il y a le robot Sonic, il est là. Monsieur le robot Sonic, qu'est-ce qui ne va pas? On a l'impression que vous donne du fil à retordre. Oh, c'est vous. Eh bien, en effet, on trouve beaucoup de monstres par ici tout d'un coup. En plus, je ne sais pas qui, mais quelqu'un a installé des sortes d'engins ultra modernes bizarres. Moi, je sais, c'est Link. Ils ont un genre de carapace noire. Si seulement j'avais un moyen d'y injecter une sorte d'énergie à haute densité. De l'énergie, de l'énergie? Laisse-moi essayer. Tu as une idée? Reste prudente, hein. Mon Daboulon, tu as réussi. C'est gadget ton robot essayé. Il ne t'arrive pas à la cheville, Sam. Qu'est-ce que tu as fait? Au juste. Non, non, ce n'est pas le moment de s'en soucier. Dépêchez-vous de rejoindre la salle de contrôle. Alva et Isabelle ont besoin de votre aide. Ok. Ah mais du coup ça les casse mais pendant un temps, ok. Ah. J'aurais peut-être pas dû la faire vous rendre ça. Ok. On voit pas grand chose hein. Ah, on peut le faire descendre, ok. On va faire ça. Ah, il n'y a plus de son. Le son est mort. Le son est décédé. Allez, descend. Voilà. Mais... Oui. Again. Mais non. Mais non. Bon, on va faire monter le vieux. Comment on fait déjà? Ok. Et maintenant? C'est dur. Hein. Ah non, mais faut qu'on... encore que je la... Ok. Mais non, monte. Mais... C'est sérieux, cette histoire? Faut vraiment monter au fur et à mesure? Donc ça fait descendre ou ça fait monter, je sais plus. Je suis perdu maintenant. Ok. Oh, c'est exactement ce que j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On voit rien, c'est magnifique, on voit que. Il y a un bouton ou pas pour allumer? Voilà, merci. Il y a des... Ça fait ramer, là. Ouh là là. Il y a des trucs qui se passent. On peut descendre. Ok. Alors, lui, on va l'avoir comme ça. Pourquoi il a changé cette arme? Je ne sais pas. Comment qu'on descend? Comment qu'on descend? Comment qu'on descend?
Ici, il y a des boutons ici? Non. Oui, 10 feux là, il y a un logo feu. Ah si, là le bouton. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, toi tu restes là. Je vais de l'autre côté. Ça, ça là je peux augmenter des trucs maintenant. Donc ça c'est cool. Mais sinon, à part ça... Ah, il y a des taches violettes. J'imagine que ça va être quelqu'un de violet. Ok, c'était juste pour ça. Flemme. Il n'y a rien dans cette salle. T'as cru m'avoir comme ça, pile. Non mais... Il y a un truc ici. Ah, j'ai pas de munitions. Ah, d'accord. I don't have the munition. Oh, j'ai mangé. Appelons le relationnel. Pour les munitions. Aïe. Du tout attention, la vie et moi ça fait 80 millions. On est totalement pas dans le game de garder sa vie. Ah, des munitions. Ok. Ah, vous voilà enfin. Monsieur le rebelle Sonic, il y a plein de passages différents ici. Comment on est censé atteindre la salle de contrôle? Pas de panique, je vais vous expliquer. Ce tunnel abrite la vanne d'écluse centrale du barrage. Ok. Ouvrez là et on aura assez d'énergie pour lancer le dieu du vent. Mais du coup, il n'y avait pas eu de problème au début? Pas si vite, avant de faire ça, vous allez devoir ouvrir les vannes des égouts. Sinon, la pression risque de faire céder tout le barrage. Les égouts comportent un niveau supérieur et un niveau inférieur. Vous devez ouvrir les deux vannes. Vous pouvez les éteindre grâce aux ascenseurs sur la gauche et sur la droite. Oui, ça, je m'en doutais un peu. Quand il y a trois embranchements, c'est souvent que c'est... on va se casser la tête. Est-ce que j'ai de la bouffe? Non. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Oui. Sauvegardons. Eh bien, c'est parti. On va à gauche, d'abord. En haut, à gauche ou en bas? Ok. On avance. Ah ouais, deux coups pour un... Deux coups, c'est officiel. Bon. Ah, c'est quoi ce bruit? Il y a une sorte de petite bestiole là de l'autre côté qui a l'air bien sympa. Ah mais j'ai oublié de prendre un truc en haut, et ça faisait tululut et je l'ai jamais cherché. D'être en haut tout en haut. Ouais. Oh, c'est des petits. Ok. C'est des petits miasmes, c'est des restes. Ok.
pète un peu de vie. Hein. En plus, si je te fais exprès de rentrer dans cette pile là. C'est posé. On va prendre un peu de vie quand même, l'histoire. Il y a quoi là-bas? Ah, c'est sans doute la suite. Bon, on va faire ça après. Compliqué. Okay. Ah. Ok. Super. Super mon cher. Il n'y a plus de pitié. J'ai décidé d'accélérer le chemin. Oh non, on l'a loupé. Il s'est barré. Reviens. Non mais il va trop vite maintenant. C'est bon, hein. Il y a du courant. Ah, est-ce que je peux lancer la bombe là? Non, pardon. Ah oui. D'accord, ok, j'ai compris. Ah, c'était pas loin, hein. Oula, il y a un petit bug. Oula là, j'ai vu. J'ai vu le bug. Quand même le sel là, on veut le sel nous. Pourquoi je peux pas reculer? C'est quoi dans ma vie? Ah, je pouvais passer par là. J'aurais pas dû faire ça en fait. C'est ça l'histoire. Ah non, c'est ça. Ouais. Fallait appuyer deux fois. Ouais, c'est intéressant. Et on peut étendre après. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Ça va le petit chat? Ah, c'était pas là le cling cling cling?
là, ça fait des heures. Attends deux secondes, le chat. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, belle. Oh, c'est revenu. Je suis un peu loin. Sims. Du mal à saisir par où je dois aller. Ah, c'est là-bas. Ok, bon, c'était difficile à voir. Hein. Ouh là là, j'espère que c'est des pièces. Hein. Ouais, dans quel état ? Ça, petit chat ? Il faut que j'en appuie du coup. J'aurais dû mettre quelqu'un dedans, j'imagine. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la bonne personne? Je ne sais pas. C'est possible. Ça a l'air d'être la bonne personne. Je peux vraiment pas ouvrir. Ok, d'accord. J'ai raison. Ah, peut-être que j'aurais dû faire l'inverse. Ah, ça fait... ah oui, ça fait... d'accord, ça fait dans l'autre sens. Ok. Là, si je réappuie ici. D'accord. Du coup, je réappuie là. Je vais monter dedans. Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse parce que je suis bloqué ici. Ah bah non. Ah si, en fait, faut qu'on soit... Non, on peut pas être tous les deux. Ah là là, je ne sais. On a deux boutons de toute façon, donc je suis obligé de, qu'il y ait quelqu'un qui passe, mais alors là par contre je sais pas exactement ce qu'on est censé faire ici. Je vais faire ça en fait. Je vais essayer de la faire avancer. Je veux juste voir mon cerveau. Ah oui d'accord, c'était tout aussi simple en fait. Oui, c'est ça en fait. Là, fallait que je la fasse en ça. D'accord. Donc là, par exemple, ça va dans l'autre sens. Donc j'appuie. Ça va dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment juste le sens de l'eau en fait. Ok. Donc là, moi, j'utilise le bouton pour ouvrir et fermer. Ok. Et donc là, je peux la faire monter. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que je passe. Ah si bah, je suis bête, on aurait pu passer dans l'autre sens. Indeed. Oh. Dans l'autre sens. Donc du coup là faut que je bloque. Et que elle, elle appuie dans l'autre sens. Hop. Et moi je vais pouvoir ouvrir. Dac. Dakodak. Et je pense que là on pourra passer tous les deux là. Ah oui d'accord. Du coup c'est pas elle qui doit être. Okay. C'est pas elle qui doit être de ce côté-là. D'accord. Et ça bloque. Ok. Donc,
elle, elle doit appuyer sur le bouton. Ah, on a inversé nos rôles, là là là. Genre, je sais pas pourquoi je me suis dit, oui, c'est, ça peut être elle, quoi. On va faire passer dans l'autre sens. Ah, c'est vraiment juste pour ça. Mais il y a un moyen en fait d'aller chercher les trucs ou pas? Parce que j'aimerais bien savoir. Hein. Je pense qu'on peut. Il reste là. Et on va juste faire aller dans l'autre sens, vite fait. Parce qu'il y a un moyen en fait qu'ils descendent. C'est là que ça va jouer. Ah, ok. Tout ça pour des vies. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Bon, on essaie de finir le donjon et après on s'arrête. Hein. C'est un peu plus long du coup. Heureusement que je comprenais pas au début ce que quoi fonctionnait quoi, mais bon, c'est moi qui suis pas doué. Mais... Vite! Non! Ah, je croyais que j'étais au bon endroit, mais non, pas du tout! Désolé petit champignon. Ah, un boss. Simpson. Non, j'ai avancé tout seul. Oui. Bah, peut-être qu'on va s'arrêter. Ah, il est parti. Ok, si ça se passe comme ça. On va peut-être rendre de la vie à un moment. On va appeler d'abord notre copain. Mais là, c'est dead. Ça va être trop chaud. Ils me foncent dessus tous. Bon. Non. J'étais à 3... Non, à très peu. Il me restait 3 miasmes pétés du cul là. On va appeler tout de suite notre robot voyant. On va s'augmenter notre vie. Ah mais non, on est plein. Je n'ai rien dit. Et on va prendre le direct Sam. Et on va utiliser son pouvoir hein, parce qu'on n'a jamais fini.
En fait, je peux pas m'approcher de lui parce qu'il est, il est en mode full. Ok, maintenant qu'elle est là. Bon. Ok. Ça sentait le sous-boss hein, quand même un peu, mais bon. Donc là, au moins on se tape contre Mias, donc ça sent la fin, mais c'est pas incroyable. Trouver des pommes qui me permettent de faire une salade de pommes, une tarte aux pommes, un truc. Ah bah on est à la fin. C'était vraiment un boss. C'est vrai que c'était qu'un bouton. Oh mon dieu. Alors, la lumière, ça me permet de récupérer de la charge. Ah mais il y avait un truc ici, je m'en rappelle. Derrière. Oh oh oh, de la thune. Wow. Ça. On a fait tout le tour. Hein. C'était pas intéressant non plus, hein, mais bon, on a fait le tour. Est-ce que vous pensez qu'en 15 minutes on fait l'autre côté? C'est une bonne question. Au moins qu'on finisse ça là, parce qu'on n'avait pas fait de donjon, c'était beaucoup de discussions. Donc on va faire ça. Je sens la sauvegarde juste avant la fin, mais bon. c'est pas grave, ça arrive. Oh non, j'aime pas ça quand il y a des trucs de passage là, comme ça. Là. C'est pas mon meilleur move. Des trucs de passage. Il nous donne grave du... On peut passer au-dessus là? Bah non. Faut que je laisse la fille et que je la fasse passer, c'est ça l'histoire. Mais je vais die. Je vais die. Fais tourner. C'est pas très intéressant ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que je redéplace pour que ce soit elle qui le fasse. Oh là là. On échange les rôles parce que je n'ai pas optimisé le truc. C'est trop lourd. Mais du coup, c'est pas possible en fait. Ah si, faut que je lui ouvre la voie avec une bombe volante. Oh damn. Et j'ai pas de bombe volante, faut qu'on attende. Oh non. Dis-moi qu'il y a des bombes ici. Non. Le rebelle Sonic vient nous aider. Allez, oh, 71%, mais non. Allez, Rebel Sonic. Y'a pas le time là. Je peux même pas tirer de loin. Avec ce pistolet de... C'est nul. Parce que là, je vais même pas toucher les caisses, alors je le sens. Je sens l'histoire. Bon, on va prendre de la vie en attendant. Écoutez,
que ça à faire, de toute façon. Je suis pas sûr que... Ah, mais c'est ouvert, là, en fait. Attendez. C'est ouvert, ici? Ah, mais c'est ouvert! Mais qu'importe, du coup. Qu'importe, on s'en fiche, maintenant. C'est ouvert. Bim, allez, on se barre. Allez, viens. J'avais pas vu le bouton bleu qui signifie que les portes sont ouvertes. Allez, on se barre. Alors là en haut, il y a quelque chose en haut. Oui, ça fait tchic tchic. Vous êtes plus électrique, vous. Et tu fais quoi avec mon câble hein? Bon, okay. On peut faire monter l'eau, j'ai l'impression. Oui. Il faudrait passer de l'autre côté. Mais je peux difficilement le faire. Hein. Je vois pas trop comment on pourrait faire. Ah. Je pousse ça. C'est juste ça. C'est la salle en bas. Derrière, comme d'habitude. Ah ouais, c'est vraiment ici, ok. On gagne trop de vie en fait, je... Ça va être si dur, la fin. Ok, merci Max. Ok, merci. Il faudrait que je fasse augmenter l'eau avec le bouton, j'imagine. On va replacer ça. Ah non, mais c'est bête, parce qu'en fait, faut que je puisse traverser. Et c'est pas ici que je traverse. Damn, c'est plus en bas. Comme ça, c'est bien. Je peux déplacer là sur le côté ou pas? Merci. Et oui, jonc manutentionnaire. Attends, je suis en train de penser à un truc là. Ok, quelqu'un qui passe de l'autre côté. Est-ce que tu passes là? Non, pas du tout. Ah, mais il y a un passage là. Mais c'est nul! Et comment qu'on fait? Ah, faut être vraiment tous les deux. Avec les trucs normaux. Ok, d'accord. I have understood que c'est John qui doit rester à la fin. Ok. 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 Oui, bah, il est encore dans l'eau de façon pareille, tranquille. Non, mais là, c'était pas très intelligent non plus. En fait, j'ai dépassé les boîtes, mais il fallait pas. Ok. Qu'importe qui reste au final. J'avais pas vu le petit passage de la plateforme. Moi, je me suis dit oui, il faut déplacer ça, mais c'est tout à fait normal. En fait, non. Bon, ça va être complexe. En fait, il faut que je fasse ça. Je fasse ça. Que je fasse ça parce que j'ai tout cassé. Passe ici. Ah non, mais attends, faut que je ferme derrière elle. Excusez-moi. Bonjour, je suis perdu. Voilà. Tu passes de l'autre côté, s'il te plaît. Elle passe pas de l'autre côté. Dame.
rentre de votre côté, Sam, merci. Je replace tout pour que je puisse partir. Voilà. J'appuie sur le bouton. Je traverse. Je l'attrape avec moi. Et on continue. C'était plus simple que je ne le pensais en fait. Oulala. Oulala, il y a du pipo. Juste faire ça, la poêle est vraiment ultra vénère. Il nous faut de la vie. Ah, c'est la dernière vie. Bon, voilà. Plus de vie. Non, faut faire attention. Ça va tomber. Sait faire quoi, ouais, je vous laisse là, hein. Je sais pas ce que ça va faire, mais... on verra ça plus tard. Donc je les emmène jusqu'ici, je crois pas. Ici. Donc là-haut, voilà. Je sais pas à quoi servait les trucs à part se protéger, mais au final. Ok, on y arrive. Ah. Ça sent le passage. Ok, là il faut déplacer ça. Ok. Bah du coup c'est John qui passe devant, hein, j'ai l'impression. Ça va être ça, je crois. Ok, donc ça c'était là vraiment la fin. On s'en fiche du coup, faut que je la fasse passer elle. Du coup, bim. Je l'attends là. Il n'y a pas trop de sens, mais d'accord, ok. Je la fais passer, parce que ça va être cette histoire-là, je suppose. Je récupère ça. Ah, les deux sont pas bloqués. Ah, ok, d'accord. Du coup, en fait, si, il faut que je la garde de l'autre côté. Donc, là, on est bien d'accord. Il y a un truc qui se passe bizarre, mais ok, on va checker. Parce que, en fait, il faut juste qu'elle passe. Quand tout est bloqué. Et là, par contre, il y a combien de trucs qui sont ouverts? Deux. D'accord. Ceci explique cela. Là, si je bloque ici. Que j'appuie là, ça lâche ici. D'accord. Et si je fais ça et que je m'en fiche? Non, je peux pas. Ok. Mmh.
Et on doit être 3. Ou c'est moi, je comprends plus. Qu'est-ce qui se passe là? Trop fatigué? Il se passe quoi? J'arrive plus à faire des puzzles? Donc ça, de toute façon, on s'en fiche en fait. Parce que là, je suis bloqué ici. Donc je peux redéplacer ça à la limite. Ouais, en fait, c'est ça, il faut que je me déplace. Au millimètre, genre. Oui, c'est ça, en fait. Okay. Bon, c'est... pas très intéressant, non? C'est juste ça, ok. Bon, ça va, tranquille. On passe, là, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais du coup, c'est on est passé. Ah, un boss. Tiens donc. Ah, bonjour. Heureusement que j'avais des bombes volantes, hein. C'est comme si ça avait été dur. I'm indeed a winner again. Le rebelle Sonic est prêt. Mais je veux bien le rebelle Sonic. Histoire qu'on soit équipé quand même pour un combat, sachant qu'on n'a pas de vie. Donc là, on a fait... on a toute l'énergie, non? Pour faire actionner le truc. En 15 minutes, hein, du coup, c'était bon. Taux de charge stabilisé, encore 8 minutes. Le miasme se rapproche du marché du dragon. Je crois qu'on va y arriver à temps. Lisa, tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si jamais on échouait cette fois-ci? Je te mettrai à l'abri, ce miasme n'est pas assez rapide pour la fusée. C'est vrai que la fusée... si j'incitais pour en rester, je t'emmènerais de force. Ah bon, d'accord, j'étais conçu pour ça. Conçu? Tu es un robot? Ah, les vannes des égouts, elles sont ouvertes. Il ne reste plus que la vanne centrale. Je devrais peut-être m'en charger. Je crois en eux, autant que je crois en toi. C'est beau. C'est beau ce que tu dis là. Le système de refroidissement est attaqué. Je vais régler ça. Je serai vite de retour. Ne te quitte pas cette pièce, compris? Promis, ne te fais pas. Sois prudent, d'accord? Les canaux des égouts devraient être ouverts maintenant. On n'a plus qu'à s'occuper de la vanne centrale. J'espère que ça va pas prendre 15 ans. S'il te plaît. Allez, on va faire à manger, on va faire des omelettes. Réussi, monsieur le rebelle Sonic, on a ouvert toutes les vannes d'égout. Monsieur le rebelle Sonic? Il est plus là. Regarde, la porte est ouverte. Moi, je veux faire des omelettes avant de rentrer, s'il vous plaît. La vanne centrale doit être... il est peut-être parti devant. Bien, on va vérifier. Jon. On va faire... Alors, je soupçonne que ça nous fait quelque chose.
Ok. Et on va faire des patates, des pommes de terre. Voilà. Des pommes de terre, des pommes de cour. Je sais pas trop ça sert à valider des trucs, mais je sais pas quoi. Ah mais Mixitop a déconné. Je vois ça. Hein. Personne me dit. Attendez, je vais aller chercher Mixitop. Ah oui, il a totalement déconné. Ok. Je vois que Mixitop a déconné. Sorry pour nos connections to Mixitop are very. Hein. Mixitop est parti. Il a décidé de quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est ça doit être. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est tout de ma trouille. Pourquoi il a quitté? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça fait combien de temps? Je ne sais, en plus. Ça se trouve, ça fait longtemps. Personne ne me dit. Je vais essayer de checker. Je pense que ça fait pas longtemps, parce que je regardais de temps en temps, donc quand même. Ouais. Il y a 20 minutes, c'était bon. Ouais, ça marchait quand j'ai commencé à bugger du cerveau. Il y a 5 minutes, c'était bon. Bon, je pense que c'est bien. J'ai dû bugger que à la fin. Que maintenant, en fait. J'ai dû bien réagir. Donc là, normalement, ça devrait marcher d'ici peu. Je vais relancer, je pense. C'est bon. Ça vient de le faire, hein. Ok, du coup j'ai pris merci Gigilou. J'ai bien vu, hein, c'est Gigilou qui m'a parlé. Oui. Merci Gigilou de me prévenir. T'inquiète pas, je peux regarder pour les fautes. C'est pas comme si j'en faisais pas. Donc là normalement on est censé finir. J'espère que la vanne centrale c'est juste un boss. Et je fais une pause parce que je commence à avoir mal au dos. Et après on joue à Silent Hill parce que c'est long pour pas grand chose ce jeu, j'en peux plus. Et au moins, à Silent Hill, on va flipper. C'est bon, on a de quoi manger. On va sauvegarder quand même, parce qu'on sait jamais. Trop bizarre, je l'ai pas vu partir, quoi. En plus, Mixitop. Parce que je l'utilise comme chat, quoi. Enfin, j'utilise. En partie. C'est pourquoi tu pars sans nous? Ok. Bon, ça, on va manger, hein. Je sens le boss, donc on va manger. Ah, c'est tout. Une tarte aux pommes, ça vaut ça. Waouh. C'est peu, hein. Allez, vite. Faut qu'on s'enfuit. Ah. Ah, mais on arrive direct dans le barrage, ok. Ah mais c'est fini du coup. Presque. On voit rien. Il y a de la lumière dans la vie ou... On fait genre... J'appuie sur un bouton, ça fait quelque chose. J'ai pas l'impression. Ah mais la lumière elle est là. Attendez. Elle est là la lumière. Ok, on voit mieux. J'ai bien fait d'appuyer. Quel est l'intérêt? Ah oui, c'est peut-être qu'il y a un truc là. Attends. Qu'est-ce que c'est que cet intérêt? Je ne sais pas. Mon petit. Ah si, peut-être qu'il faut descendre, monter en haut. Il y a des trucs ici. C'est Itim Snow. Ah, et on lâche quelqu'un ici. On va lâcher Jack. John, plutôt.
tu vas traverser. Tu peux pas traverser. C'est intéressant. Attends, j'appuie sur ce bouton, tu vas pouvoir traverser. Voilà, ok. Ok. Et c'est tout? Faut que je fasse venir des gens? Non, faut que j'appuie sur le bouton, c'est tout. Pas mon clos, super. Grande avancée. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment... Là, on est donc au cœur de l'écluse, ok. Jon est encore dans l'eau, il est pas dans l'eau, non? Ok, première étape, c'est bon. J'aurais dû traverser, je sais plus. Je sais plus ce qu'on devait faire. Bon, on va jusqu'au bout, on verra. Oui, c'est ça. Ok, donc là, ça fait écluse, donc il faut qu'il descende, il faut qu'il traverse. Bim. Bim. Je remonte juste pour qu'elle traverse, c'est pas ça? C'est ça l'histoire, je crois. Parce que le but, c'est de refaire marcher le truc, donc... J'imagine que là, ça va. Ok, c'est un bail. Ici, il y a un truc? Non. Ah, si. Il a fait du lulu? C'est où qu'on tourne? Bon. Peut-être plus tard. Ok, ça c'est un bouton. Non, on traverse. On appuie. Ça c'est du coup la vanne centrale, c'est ça. Ok. Donc là c'est bon, on a fini. C'est juste ça. La porte va s'ouvrir. Jon, c'est vous les amis? Pas de réponse. Donc c'est vous, parfait. Bravo, la vanne centrale est ouverte. Je savais que vous réussirez. Avec panache. Je vais vous ouvrir la porte. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est quand même pas... Alba, je vais juste jeter un oeil. Tout ira bien. Mais non, n'y va pas. On connaît les bails. C'est le dernier boss. Je connais l'histoire. Je vais vous ouvrir la porte. Vas-y, ouvre la porte alors. Ah bah ça y est, ça s'est passé en même temps, mais on a eu un peu de spoil. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas, ok. D'accord. C'est bon, on peut... Oh non, vite Jon, on doit foncer à la salle de contrôle. Ok. Let's go. Musique inquiétante. Oh. Ah mais il se fait taper par l'autre. Ah c'est bien ça. Pas l'air de moi, par contre. Ah si. Ça, c'est les friendly frayeurs des méchants, c'est vraiment bien. Ça, c'est vachement cool. Je suis pour. Ah mais du coup, on est vraiment revenu à l'intérieur de la salle de contrôle, là où je pensais qu'on va acheter des trucs. De la vie, genre en masse. Voilà, merci. Et on va sauvegarder ici. C'est sans doute, j'espère, la fin du jeu. J'espère. Le fond sonore du jeu me berce, c'est terrible. Je pique du nez comme une... Ouais, mais après, c'est un peu ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre que... Après, je l'ai mis très bas, donc je sais pas si tu veux que je monte le son, mais vu que tu fais dodo et tu sommeilles, c'est agréable. Ah, j'ai connu ça dans Omori, ce genre d'image. J'ai
J'ai l'habitude depuis Serial Experiment Lane. Ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais, Jon? Jon, il sait où c'est. Alva. Où est-ce qu'elle est? Ah. The real boss. Allez, c'est parti. Eh, descends de là, c'est dangereux. Est-ce que tu me regardes, moi, mon futur? Moi, du futur, j'ai réussi. Haha, tu vois, oui, quelque chose que même toi, tu n'as jamais pu accomplir. Les méandres du destin, le pouvoir ultime. Eux, ce ne sont que des broutilles absurdes. Tu entends, vieux fou, Charon hurle. Omias, mais chante mon nom. Il n'y a pas de dieu incarné, merde, ne se réveillera jamais. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, descends-moi. Qui est là? Vous? Mais pourquoi? Comment? Viens vite, le ventilateur. Petite minute, cette apparence comme mère. Je vois. Tout s'éclaire maintenant. Toi, tu es mère. Oui, ça explique tout. Ça explique rien. C'est donc ça que tu entendais par destin vieux fou? Quoi? Et si c'est... Alors permets-moi de briser ce destin en milliers d'éclats. Ben voilà, le boss. L'heure du jugement a sonné, ok. Il a tout l'air d'être très sympa. Ça a pas l'air de lui faire quelque chose. Ça a l'air de lui faire un truc. Ah, d'accord. Bonjour. C'est déjà fait. De la vie et des munitions. C'est dur à éviter ça. Ah. En fait, faut que je le mâche. Hein. C'est pas possible. C'est... Ah oui, d'accord. J'ai attiré la bombe sur moi. C'était n'importe quoi ce qui s'est passé. N'importe quoi. Bon, du coup, faut mâcher avec sa monta quand il est en mode attaque et je pense que... Là, par contre, faut éviter. Alors, je sais pas trop comment on va éviter, à part faire un grand chemin. Ça a pas trop l'air d'être...
Il a pas l'air d'avoir envie. Je vais essayer peut-être avec autre chose. Avec ça, ouais. Ah! Tout! Oui, ça c'est pas mal. Oh non, presque. 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 Ok. Là, il va venir en mode full cacahuète, là. Et du coup, faut plus que j'utilise la poêle, faut que je sois un peu à distance. Ok, on va dire. Ça va le chacha? Mais pourquoi le fil? Pourquoi tu me tires vers l'avant comme ça? Je suis pas d'accord. En fait, faut que je les active en étant prêt. Tu veux pas descendre, genre, pour faire comme si on était copains, amis, quelque chose. Le chat. Oh. C'est tout. Ça va le chat? On a failli die 15 millions de fois, mais ça. Petit chacha. Mao, mao. Mao, mao. On a la clé de Salomon. On a refait 3 heures presque. Oh là là, mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en attendais pas moins de vous, mais je m'avoue vaincu. Qu'est-ce que tu as fait? Le dieu du vent, tu essaies de le détruire? Peu importe ce que vous me ferez, ce ventilateur est condamné. Et bientôt le miasme engloutira toute cette ville. Le dieu du vent? Il est en train de démarrer. Comment est-ce possible? Je... Bien, Jean, retourne à la salle de contrôle. Du coup, on le laisse là? Bon, on essaie de finir un peu l'histoire de l'histoire, parce que là, j'ai l'impression que... C'est peut-être la fin. Alva, le dieu du vent a démarré. Peut-être qu'il reste encore deux semaines. Hein. C'est fatigant, mais voilà. Elle n'est pas là. Mais alors, qui a activé le dieu du vent? Attention au fil, là, s'il te plaît, chacha. Et cette porte est ouverte. Oh, c'était trop bien animé. N'approchez pas. Elle a été contaminée, Alva, c'est ça? Oh, c'est trop bien animé. C'est trop triste. Les super-héros de petit écran sont depuis longtemps les idoles des enfants. Nous avons bâti un repère secret avec les détritus. Un symbole de sécurité, de liberté et de joie. Mais il ne pouvait durer éternellement. Quand est-il devenu si fragile? Désormais, il risque de s'écrouler au moindre coup de balai, changement de saison ou souffle de vent. Nous l'avions oublié. On a fait un chapitre, c'est ça? À suivre dans le prochain épisode. Allô? Je vais sauvegarder si c'est possible. Tiens, 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 voilà Jon. Pile à l'heure, comme d'habitude. C'est le dieu du temps lui-même qui a dû fabriquer ta montre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as perdu quelque chose, Jon?
perdu quelque chose, c'est une blague. Tu sais bien que Jean est plus pauvre que le dernier des mendiants. Il a rien à perdre. Ok, donc nous, on peut sauvegarder? Non. Ok. Ce tunnel est sacrément dangereux, Jean. Je te conseille de pas t'en approcher, sauf cas de force majeure. Ok. Et du coup, on sort, hein. Écoutez... Ah. C'est en bas. C'est en bas que ça fait tu-du-du-du-du-du. J'ai trois jetons. Dans mon rêve, j'ai trouvé des jetons. C'est incroyable. Incroyable. Bon, bah on va sortir, on va voir ce qu'il y a. Hein. Donc là, on est revenu dans la première ville. Dans notre rêve. Ah, je suis revenu au même endroit. Donc c'est par là, j'imagine. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit, fiston? Cette mine regorge de secrets, de choses qu'on ne verra pas au premier coup d'œil. Il suffit d'être assez attentif pour les trouver. Ok. Oh non, c'est un truc à la Link. On se rappelle du chemin. Dane! Tout ce que je supporte pas. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Donc on va aller par là. Hein. Est-ce qu'il me fait revenir au même endroit ou on recommence à zéro? Où tu vas comme ça, Jean? Tu es de service, je te rappelle. Brouille-toi de descendre dans ce puits. Ok, faut que je descende par là. C'est ce qu'il me dit. On va aller là-bas pour voir. Est-ce qu'on est toujours au même endroit? Ça explique les jetons. C'est pour pouvoir en fait fixer que on est au même endroit. D'accord. On va dans le puits. Parce qu'on on pouvait pas y aller de toute façon au début. Bon bah voilà. Ah, tremblement de terre, trou, bonne animation. C'est un Power Rangers. Comment il s'est récupéré? Il y a quelque chose là? Ah, c'est un radeau. Je peux pas l'arrêter? Ah, faut que je le pousse jusqu'au bout. D'accord. Ouais, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Bon, il faut que je précise qu'il va falloir que je fasse un tour. Hein. Attendez. Ah, ça buguette. Ouais, bon, y a rien. On continue. Mais le chat, non, non, monte pas, s'il te plaît. Reste ici. T'as déjà fait trop, le chat. Je le dis, là. Bah. J'ai l'impression qu'on est dans Omori. On va tout droit. Dans de la buée, de brouillard et compagnie. C'est un peu le même style, hein. J'aurais peut-être pas dû enchaîner vraiment. Ah. C'est là où j'ai trouvé... Oui, c'est ça, c'est là où je l'ai trouvé. On sait pas exactement ce que c'est, ça. On le voit dans le générique, mais c'est... Oh bon, chapitre 5, on sauvegarde. Hein. Je sais pas combien il y a de chapitres, mais je vais regarder. Ah, on dort comme ça, c'est sur une chaise, dur à vie. Princesse, on a besoin d'aide. Vous devez sauver ma femme. Jon, je t'en prie, aide-nous.
S'il te plaît, je te le demande en tant que compagnon de l'infortune. Aide-moi, je t'en supplie. Ma femme, elle est toujours dans la ville basse. Quand le miasme s'est dispersé, tous ces monstres ont surgi du marché du dragon. Et maintenant, ils ravagent la ville basse. Il y en a partout. On peut plus rentrer chez nous, on a nulle part où aller. Ok. Je veux sauvegarder, Jon. Ça va aller, tu peux me croire. Jon est sur le coup maintenant, allez viens. Jon, je voulais sauvegarder. Je ne savais pas qu'on pouvait compter sur lui. Ouais, pas comme Isabelle, elle se fiche bien des pauvres gens comme nous. Non mais là, Isabelle, elle est occupée. Je pense qu'Isabelle s'occupe d'Alva. Ah, il est... Salomon est tantôt. Tu crois que je suis unique responsable? Je ne serais jamais arrivé tout seul. Pas sans les directives de mère, en tout cas. Mère qui est clairement le double de Sam. Et cette mère dont tu parles, c'est Sam? Je ne suis pas fou, c'est elle. On dirait qu'elle est encore incomplète. La graine n'a pas encore trouvé le soleil, apparemment. Ou alors ses souvenirs d'Eternia ont déjà... Eternia? Tu veux dire que cette ville existe vraiment? Évidemment, pauvre Nia. Attends, tu n'envisages quand même pas d'aller là-bas? Parce que tu es un peu trop vivante pour avoir une chance d'y arriver. Peut-être, va savoir. Ton odeur, elle me rappelle celle des usines. Ne me dis pas que tu es. Je n'ai jamais eu de mère. Comment c'était ça? Je me demande qui elle est. Ça s'étend comme là. Hein. Mais on aimerait bien sauvegarder. Toujours pas? On va sauvegarder, hein. Je suis désolé, hein. Moi je vais sauvegarder. Hein. Autre chose à faire. Éviter de perdre trop de frame aussi, parce que là ça a l'air de se calmer, mais du coup on va jouer à autre chose, parce qu'il fait nuit. C'est l'heure. L'heure de s'avancer. Bon, du coup je vous laisse avec les nappes. De Eastward, je vais faire une pause maintenant pour que je puisse me tendre le dos si ça ne vous dérange point. Voilà. Hop. Bon, à tout à l'heure.